ce mon Jedi Survivor, ça va, Ced? Et Mando aussi, t'es là, bon, tu vas manger, tu fasses un petit coucou. Bon, bah, mange bien. On va essayer de se chauffer un petit peu avant de commencer, là. Et puis après... on passera aux choses sérieuses, en fait. Voilà. Alors, comme on a touché au son hier et tout ça, va falloir me dire si le son du jeu est bon, si on n'entend pas trop fort, si patati, patata. Mais moi, je pense sincèrement que le son hier est pas bon. C'est surtout à cause de ma... de mon enceinte, parce que quand les personnages parlent, là ça fait son enregistré, et quand c'est du son du jeu, là tout va bien. Donc en fait je pense que mon micro ne capte que les sons de voix, en fait, on va dire, et c'est ça qu'il essaie de capter le plus, donc c'est ça peut-être qui fait que c'est, ça fait enregistrer dans Jedi Survivor, mais je sais pas, faut voir quand il y a des cinématiques. Et mon Scaninounet, oh mon Scaninounet. Non, c'est le bot qui a ripé, il a dit j'étais sur Genshin Impact, mais... non, il a juste rippé. Et pour la commande musique, je sais même pas comment ça marche, parce que bah moi, la musique, je la mets autre part, donc je vois pas comment une commande pourrait voir quelle musique je mets. Je trouve ça bizarre, à part si tu passes par un truc de Stream Element ou un truc comme ça, mais... bref, dans tous les cas, je t'ai donné le lien, quoi. J'ai fait le travail du bot. Vu que c'est le dernier live de 2023, on peut se permettre d'y rester 4 heures minimum. Possible. En vrai, 13 heures plus 4, ouais, c'est possible. Je dis pas que c'est ce qui va arriver. On verra. Mais moi, enfin, c'est le dernier live Star Wars de 2023, parce que peut-être que je vais faire Jedi Survivor. Ensuite, je vais manger ce soir. Et après, je referai un live. Donc ce sera plus de minuit, 1h, 2h du matin pour vous. Ce sera plus de minuit, ça c'est sûr. Donc c'est... peut-être qu'après je réenchaînerai sur du Honkai ou du Genshin, quoi. Mais... donc oui, je prévois déjà ton message scan. 2 lives dans une journée? Oui, peut-être. Écoute, on en a fait un de 8h hier. L'irrespect. Faut vraiment finir le jeu en 2024, Kishni. Non mais ma réelle résolution est de finir Jedi Survivor en 2024. Si je finis pas Survivor 2024, il y a un problème. 2 lives en une journée. Oh, j'avais pas prévu. Je pense que je devrais commencer à installer Genshin à ce stade. Pourquoi pas. Mais parce que là... moi, je pense que... je pense que 2024, c'est sûr. C'est sûr que je finis Jedi Survivor. Si je finis pas Jedi Survivor en 2024, mais je vais me coucher, quoi. Let's go. Enfin, si je vais me coucher, je vais encore moins l'avancer, quoi. Mais c'est où que je devais aller, là, déjà? Ah oui, je crois que je venais de là-bas. Et là, j'étais venu ici, ok. Là, il y a un établi. On avait changé la couleur de notre sabre. Là, ici, ce sera un raccourci. Donc, je suppose que nous, on doit aller là, quoi. Attends. C'est... ah, d'accord. J'avais pas vu ça. Bon, heureusement, on tombe pas. Oh, la phase de... wow! Pourquoi? La phase de plateforme, wesh. Allez! C'est showtime! Allez. Ah oui, c'est vrai que je peux sauter comme ça. Punaise. Bon, bah écoute, tant pis. Non! Ah ouais, mais ça... ça tue quand même pas mal, en fait. Ah ouais, dis donc. Bon, je sais pas si j'ai pas un peu fait de la merde là quand même, hein. Putain, ils sont pas sages, ils sont pas gentils, hein. Quoi? Mais... ah mais... bon. Soignez-vous. Oui, je sais. Bon là, j'ai fait de la merde, hein, je sais, hein. Vous pouvez vous moquer de moi. Faut bien que je vous vois vous moquer quand même. La question, c'est à quel jeu tu vas t'attaquer après Survivor? Ouh, ça c'est une bonne question. Et là, comme ça, je te répondrai Spider-Man 2. Mais tout peut changer.
Mais là, comme ça, je te dirais Spider-Man 2. Genshin Impact, c'est obligé. Non, mais ça, c'est du parallèle. Genshin, Honkai, c'est du parallèle. Mais les jeux canons, on va dire. Enfin, les jeux canons. Les jeux... comment on peut dire les jeux que je dois avancer. Parce que Genshin, Honkai, c'est des jeux infinis. Parce que... Oh, merde. Attends. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Ready, BD. Ça, c'est plus simple, ça. Vous voyez, pourquoi vous mettez pas ça à la place? Plus simple. Et là, je dois faire quoi? Ouf. Ouf. Ouch. Ouais, t'as vu comme je me débrouille, Bidi? Toi, au moins, t'es un droïde qui m'encourage, hein. Pas comme l'autre droïde, là. Le pauvre. Pauvre Skaninoun. Mais non, je t'aime bien. Bon. Spider-Man 2, bon, ben, plus de stream de Kishni pour moi en 2024. Mais pourquoi? Bon, je veux faire des streams qui aillent à tout le monde aussi, hein. T'aimes pas Spider-Man, toi? Ou alors c'est t'aimes juste pas Xana? Je te souhaite beaucoup de morts sur ce stream, Kishni. Non. Je peux faire ça. Ah, attends, tu vois, c'est vrai. T'as pas la console et tu veux pas te spoil. Ok, je comprends. Je comprends. Bah après, de toute façon, je vais pas faire que des lives Et encore, j'ai dit que je faisais ça, mais j'ai dit que ça pouvait changer. Donc, voilà quoi. Je vais attendre gentiment d'avoir une PS5 ou attendre la sortie PC dans 4-5 ans. Oh non, ça va pas sortir dans 4-5 ans, la sortie PC. Ce sera un an après. Scan qui va regarder mon live 5 ans après, tu sais. Le fantôme dans la machine. Ravis exige l'exhumation, on va y arriver, complète des couloirs abandonnés de la station lunaire. Même si les pillards eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi. Il me dit Spider-Man sur PS4 2020. C'est vrai, si tard? Wow. Non, mais là, ils vont pas faire ça. Je n'y crois pas. Non, sinon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme jeu que je ferai en live? Attends. J'ai une liste de jeux. J'ai une liste de jeux que je dois faire. Catégorie. Média. Jeux vidéo. Attends, il y en a que je peux passer à fait. Là. Fait. Ouais, il y avait Spider-Man. Alors, il y a peut-être... Alors, je sais pas s'il y a d'autres jeux qui vont sortir d'ici là, hein, mais je sais qu'il y avait Hogwarts Legacy aussi, que je n'ai pas fait et que je pourrais faire, possiblement. Donc, à voir. Miles Morales sorti 2 ans plus tard. Par rapport à la version PS5. Bah voilà! Donc l'autre, il va sortir que 1 an plus tard. Allez, c'est moi qui te le prédis. Ah, salut! Non, non, trop près. Fun as it is to have something to fight, Ravis won't be too happy if you get any closer. Mais moi, je vais m'approcher de vous. Non. J'ai un sabre violet, mec. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, derrière? Comment il marche? On dirait un soldat de la garde de Buckingham Palace à Londres. Je connais rien d'Harry Potter. Bah voilà, ce sera l'occasion d'apprendre. Non, mais en vrai, je sais pas. Écoute, ça peut être Spider-Man 2, ça peut être Hogwarts Legacy, ça peut être totalement autre chose. Ça, les choses vont changer, quoi. Mais peut-être... Peut-être... Waouh! Il va peut-être y avoir d'autres jeux d'ici là. Putain, c'est des violents en bas, là. Mais là, si je m'accroche... Ok. Il y a Star Wars Outlaws l'année prochaine. C'est vrai, il sort quand? Parce que sur le coup, j'aurais fini Star Wars Jedi Survivor à la sortie d'Outlaws.
Et on enchaînera avec Outlaws alors. Mais si c'est fin d'année. J'ai gagné de la force là ou quoi? C'est quoi que j'ai gagné? J'ai pas vu ce que j'ai gagné. Milieu d'année, fin d'année. Si je me grouille de faire Survivor, j'aurai un autre jeu à faire. Sinon, ce sera directement Outlaws. Été, automne. Je pense que j'aurais terminé Survivor avant, en vrai. Voilà. Mon entraînement m'a bien servi. Ah! Pas là. En fait, c'était pour ce moment-là que ça a servi. Qu'est-ce qu'il fait? Merci du pro-type. Mais c'est du violet! Mais oui, tu t'en souviens pas! J'ai choisi exprès pour toi à la fin du dernier live en plus. Oui, mais maintenant. Ah! Je vois. On voit directement la différence de skill. Ouais, ça t'arrange, hein. Je me souviens maintenant, let's go. T'es qui, toi? Ah bah, je veux rentrer quand même. They're not supposed to. You okay? They're not allowed to enter. Ok. Ok. Je vais essayer de faire. Hey, oh oui, oh oui, oh! Je me fais bully par des. Roger, Roger. Attends, on voit mon sabre dans le. C'est quoi ça? Remando, t'as rien loupé presque. T'as juste loupé que j'ai dit que peut-être que je ferai Spider-Man 2 en prochain jeu. Mais ça va dépendre quand est-ce que je vais finir Survivor et quand est-ce qu'il va y avoir Outlaws. Parce que si Outlaws sort quand je finis Survivor, bah dans ce cas, on enchaînera deux Star Wars. Soit ben je ferai Hogwarts Legacy ou Spider-Man 2, tu vois ça, ou un autre jeu qui va sortir d'ici là. Ou, je sais pas. Spider-Man 2, oh c'est du bon, ouais je savais que ça te plairait. Oh salut grand amiral, comment il va mon grand amiral? Comment ça avance? Là je n'accepterai pas de non, je n'ai pas eu le temps ni pensé de télécharger Genshin sur ma PS5. Non non, t'appuies sur un bouton, tu laisses ta PS5 tourner toute seule le temps que ça télécharge. Non non non, grand amiral, je ne le tolérerai pas. Donc comment ça va grand amiral? Salut, bonjour. Comment va ton téléchargement de Genshin? C'est vrai qu'il est rapide Mando pour manger. Ouais. Et donc, il mange vite la nouvelle génération d'humains. Il mange comme Sonic, c'est bien, il s'inspire des meilleurs, tu vois. Juste, si je fais Spider-Man 2, il n'y aura pas Scan parce qu'il veut pas se spoil. Mais bon, ce sera pas mes seuls lives non plus, donc... C'est nul, Sonic. Qui est-ce qui est modo ici qui... Ced, tu peux le ban? Je plaisante. Hein. Fais-le pas. Je sais que tu te ferais un plaisir, mais... Ça va super et toi? Je l'ai pas fait trop occupé à finir Survivor. C'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse. Mais d'ici 2024, hein? Ah bah oui, bah. Non mais bien sûr, tu vois un truc en haut et en fait ça se fait en bas. Oui. Oui. Non mais Spider-Man 2, c'est une masterclass comme Survivor. Second opus à la hauteur du précédent. Bah, moi je... Quoi? Je recommence d'ici? Ah bah oui, bah c'est vrai que oui. Bon. Eh ben, t'auras absolument rien loupé, Mando, parce que on va absolument tout refaire. Voilà.
On va se dépêcher quand même parce que là-haut... Attends, tu dois tout refaire? Ah mais non! Je ne referai pas tout. Voilà pourquoi. Mais du coup, j'ai kiffé le jeu une dinguerie. Attends, mais tu l'as déjà fini? Attends, tu l'as déjà fini? Alors que moi, j'ai passé la moitié de l'année 2023 à juste arriver sur Jeddah. Et cette lune là. Bah écoute, en tout cas, je suis content si t'as kiffé. Il y a très peu de points de méditation sur cette map. C'est vraiment une lune de merde. De toute façon, dans mes souvenirs, cette phase est bien chiante. Merci. Ça me motive. Je te rassure, c'est la pire planète du jeu. Bon, bah j'ai bien fait de la choisir d'abord. Alors, et puis en début de stream, au moins, c'est... prends exemple sur Throne Kishni. Bah j'aimerais bien. Regarde, il l'a fini en 16 heures. Va falloir que tu m'expliques ton secret, Throne, parce que ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment c'est possible. Après, t'as été en difficulté moindre, mais quand même. Bien joué. Une lune de merde, oui. T'en as qui partent en lune de miel, moi je suis parti en lune de merde. Prendre exemple sur les droïdes, Kishni. Bah... Oui, là j'avoue que... Mais c'est pas un droïde, grand amiral. Bon, je peux remonter là-haut. Yes, ça c'est bien. Donc... Non, je viens de là. Hein. Je viens de là. Donc là, il faut que j'aille là. Ici, ici et là. Voilà. Roger, Roger. Alors, je vais pas me faire bully cette fois. Oh. Non mais... Allez, sans faute, je me fais même pas toucher une seule fois. Et en plus, je vais aller vite. Je vais me la jouer à la throne. Vous allez voir. Ah merde! J'avais pas vu eux. Oh, ouais, je me suis pas fait toucher, je suis pas mort. Ça c'était la classe quand même, non? Allez, let's go. Ok, on va essayer de calculer quand même. Tac, 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 tac. Non, là ça arrivera pas. Par contre, dès que ça brille là-haut, je peux y aller. Ok, let's go, on y va la prochaine fois. C'est parti. Et bah voilà! Quand on est un PGM! Comment est le son du jeu? Là par exemple, on entend des éclairs et tout par rapport à ma voix. Est-ce que c'est trop fort? Est-ce qu'on entend ma voix? Est-ce que c'est chiant? Est-ce que. Dites-le moi. Attention, scan, je te rappelle que les droïdes ne font pas long feu avec moi. Attention, ouais! Tu devrais écouter Amiral. C'est juste un grand complexe. Ouais, un complexe très complexe. Hein. Je t'envoie mon pote droïde. Son nom commence par un C. Chloïde. On entend ta voix quoi. Le son est acceptable. Attends. C'est à dire que le son du jeu est peut-être un peu trop fort. Est-ce que je peux baisser le son? Vraiment, dites-moi hein, j'ai pas envie que ce soit... Bon, je troll, c'est bien. Arrêtez de me faire stresser. Le son est pas dérangeant. Mais arrêtez de dire ça. Non, c'est bien. Ok, merci. Wow. Non, mais... Mais vous croyez quoi, les mecs, là? Yes, ça, c'est bien, ça. Si je suis pas un PGM, bon, je me suis fait quand même pas mal toucher. Hein. Bien chiant. Ouais, mais regarde, j'ai maîtrise quand même. Je me sens plus fort qu'avant quand même là. Je sens que j'ai un peu improve. Je suis pas parfait encore, mais. I'm looking. Attendez, j'observe un peu. Oh, examiner. Whatever happened tore this moon apart. La calamité qui a frappé Kobo a également brisé sa lune. Bah oui, on voit ça. Hein.
Dévastées par les tremblements de terre et les effondrements de terrain, plusieurs sections du complexe ont été arrachées de leurs fondations et se sont éparpillées dans l'espace. Alors après, Scan, tu veux que je prends, enfin, tu vois que, je termine vite et tout, mais c'est toi qui veux que je lise tout aussi. Hein. Bon, après, c'est intéressant. Ça doit être parce qu'il y a plus, c'est parce qu'il y a plus 8 jours qui séparent tes lives. Oui, carrément. Tu sais que je le ressens, ça, Mando, mais de fou. Salut Kishni, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Hey Parisien! Très content de te voir, mon Parisien. Bah écoute, moi ça va. Alors, on est parti pour au moins 2h30, 3h de live, hein, à mon avis, sur Survivor. Hein. Peut-être qu'on s'en refera un même après ce soir, mais pas sur Survivor. J'ai pas devenu meilleur, c'est la couleur du sable qui te revient. Il y a toujours quelque chose à dire, celui-là. Hein. Bon, allez. On avance. Oh là là. Je rêverais de pouvoir, genre, là, m'envoler, aller, je sais pas, là-bas. Ça servirait à rien, mais... Voilà. Ce serait énorme. T'as pas tenu hier. Ah, mais... Je ne peux pas t'en vouloir, Parisien. 8 heures de live. Je ne t'en veux pas. T'es pas Superman. Bah... Leia, elle a fait quoi dans l'espace? Elle a fait Superman. J'ai bien aimé d'ailleurs, moi. Non mais vous allez vous calmer. Perso, j'ai joué avec le sabre laser de Centauri Cri, lame bleue. D'accord, mais lame bleue... mais comment ça, sabre laser? Tu veux dire que t'as eu carrément tous les composants pour et tout? Enfin, moi, après, tu sais, je m'y connais pas grand-chose, donc... Oh, les sujets sensibles. Oui. 8 heures de live, il restait personne sur le stream. Bah si. Ouais, non. Mais il y en a eu pas mal de temps pendant un bon moment. Ah oui, attention, spoil. Ouais, après, si c'est juste du truc de sabre, ça va. Je vais pas chipoter pour ça, mais c'est sûr que par contre, sur l'histoire, évidemment, pas de spoil. Sympa cette phase. Encore mieux. Oh 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 oh. C'est impressionnant. Vraiment, putain. C'est tellement grandiose leur truc. Ah, ils ont bien joué quand même. Ils ont bien fait leur jeu. Tu vois, c'est du Uncharted dans le monde de Star Wars mélangé à du Demon's Souls. Ils ont vraiment bien joué leur truc quand même. Là, faut que j'aille où? Faut que je fasse Mario. Attends. Ce que j'ai retenu, c'est le message de ton cousin. Oui, ça, c'était légendaire. Message qui est sorti de nulle part. Ah, oh, mais ça... Il est très fort pour ça. En plus, ça a clippé après. Ça, c'était légendaire. Merci pour ça. Oh. Ouais, je sais pas ce qu'il arrive, mais bon, ça, ce sera un raccourci. Quand même assez long, hein, dis donc. Demon's Souls, hâte de te voir sur ce... Ah, mais oui, c'est... Mais non, mais... Mais oui, mais c'est ça, le jeu après Survivor. C'est Demon's Souls. Faut que je m'achète le... C'est Demon's Souls, hein, c'est pas Dark Souls. Hein. C'est Demon's Souls, le remake PS5, il faut que je le fasse. Mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, putain. Et d'une terre. Mais non, t'as bien fait. Ah, c'est... Attends, mais celui sur PS5, c'est pas Demon's Souls? C'est Demon's Souls, hein.
Je m'en vais, je reviendrai peut-être après. Tu reviens si tu peux. Non, ce sera avec plaisir si jamais tu reviens, mais bonne après-midi, bonne soirée à toi, grand amiral. Si jamais ton vaisseau repasse au-dessus de ma planète Kishni Plus, ton vaisseau et toi-même sommes être les bienvenus. C'est Demon Soul alors? Oh oui, Dark Soul, encore plus chiant. Mais non, mais c'est quoi? C'est Dark Soul ou Demon Soul? C'est lequel? Aidez-moi. Celui qui a été remake sur PS5. C'est Demon Soul, je crois. Merci. En tout cas, ce sera lui le prochain après Survivor, putain. Je l'ai dit à mon cousin, c'est un défi de mon cousin, il faut que je le fasse. Au moins maintenant, j'ai à peu près la date à laquelle je le ferai. Ce sera quand je finis Survivor. Dark Souls est sur PS4, donc tu peux... Non. Je parle du remake qui a été fait. C'est Demon Soul, je crois. Il y a eu un remake tout beau, tout neuf, qui a été fait au début de la sortie de la PS5. Mais tu vas pas finir Survivor avant 2049, Kishni. Non. 2024, il sera terminé. Avant la moitié de 2024. Wesh. Méditer. Avant la moitié. Ouais, avant la moitié de 2024. Et ouais. Se reposer. Compétences. Non, c'est bon. Pas pour le moment. Ok, ça, je peux le bouger. Tu prends un pari risqué. Ouais. Effectivement. Je conserve mon pari. Ah, d'accord. Je me fais une balançoire, quoi. Je suis un peu dangereux, moi, des fois. Ça, c'est bien, ça. Mais maintenant, il faut que j'aille... là. Parce que t'as même pas encore complété un quart de l'histoire, quoi. Mais on va y arriver. Ce qui était à deux doigts de se... décapité, oui. C'est vrai. Non, mais j'ai confiance. Je pense que tu es trop pessimiste. Ou tu penses que je ne suis pas assez loin, mais je pense avoir déjà bien avancé dans Survivor. Bah, je sais que j'en suis encore au début. Mais j'estime avoir déjà bien assez avancé. Pour ce que j'aurais pu ne pas avancer si j'avais si j'avais... Putain, c'est trop bien. Si j'avais papillonné sur Kobo, on serait encore sur Kobo, hein, je vous le dis. Tu avances à ton rythme, mais tu avances, oui. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tout, mais ça m'a donné envie de refaire les Uncharted. Ah, ils sont tellement bons. Le 4, en vrai, putain. Le 2 aussi, le début dans le train. Quelqu'un apparemment équipé d'une arme et à énergie frappe de rage et de frustration un droïde de maintenance à la suite d'une fouille infructueuse. Ça plaît pas à Scan, ça. Sauf le 1, traumatisant, tiens, pourquoi? Peut-être à cause de la différence technique, non? Quoi qui serait traumatisant dans le 1? Oh, ça sent une arène, ça, hein? Won't open from this side. Ok. C'est quoi? C'est une pancine? Cordova will want to see this. Et bah voilà, je le savais. C'est quoi, c'est un sabre? Attends, what? Il a un sabre. Un sabre orange en plus.
mais on te voit. Hein. Quoi? C'est quoi cette arnaque? Je peux même pas le toucher quand il est comme ça? Non! Merde, pourquoi j'ai qu'un sabre? Mais... Ah, pas ça. Oh, oh. Oh oh oh, ça fait mal. Ouais, il a un sabre, wesh. Custom emitter. Maybe we can salvage it. J'aurais fait pareil, je l'aurais ramassé. Ah d'accord, ok, il va pouvoir s'en servir. Oh, ça va être ma dernière posture, vous allez voir. Mais je vois pas comment. Oh, Kylo Ren. Ah non, j'ai cru que ça... Si ! Génial. C'est ma dernière posture, non ? Ouais, c'est ça. Posture de garde. Cal peut désormais utiliser posture de garde en combat. La posture de garde permet des attaques plus lentes et plus puissantes et accroît l'endurance pour la défense. Attends, plus lente, plus puissante... Et accroît l'endurance pour la défense. D'accord. Ouais, c'est vraiment à la Kylo avec un sabre bien lourd, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Gameplay rigide, ouais. Fusillade sur fusillade, pas fan. Ouais, je comprends. J'hésite entre économiser mes points de chaîne jusqu'au boss final pour lui faire faire des pompes à chaque mort ou les dépenser maintenant, je fais quoi? Bah, le problème c'est que si tu mets tout au boss final, je vais plus être concentré sur mes pompes que sur le boss final. Donc ça... merci le sabre violet. Oui. Oh, ton sabre c'est un Vidimus. Non. Enfin, le sien, oui. La posture la plus puissante du jeu en boss fight. C'est dingue. Ah! Mais est-ce que... ouais. J'avoue... Attends. Les émergences ont été le résultat d'un événement catastrophique dans l'histoire de la Haute République, dont les conséquences furent des morceaux de débris sortant de l'hyperespace et entrant en collision avec des planètes ou des objets proches à vitesse faramineuse. L'une de ces émergences s'est produite au-dessus de Kobo, dévastant sa lune et faisant pleuvoir des météores sur la planète. Attends, mais what? Les émergences ont été le résultat d'un événement catastrophique dans l'histoire de la Haute République. What? Mais je connais ça! En entrant en collision avec les planètes ou des objets de proches de la vitesse faramineuse. Une de ces émergences s'est produite au-dessus de Kobo. Dévastant sa lune. Donc en fait, là, on est juste témoin sur cette lune de. Des conséquences du Great Disaster. Un appareil endommagé fabriqué à l'époque de notre République. Bien qu'il soit difficile de le déterminer dans son état actuel, l'appareil pourrait avoir été utilisé pour la navigation et avoir fait partie d'une. D'une unité plus grande. Oh la ref, bah oui, la lumière des Jedi. Et c'est là que réside l'une des faiblesses du scénar. Tout est expliqué dans les codex.
Ah, tu veux dire qu'il y a pas assez, que c'est pas assez dit dans des cinématiques, par exemple? Let's stop. Bah après, si c'est des subtilités comme ça, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que j'aurais pas été contre dans l'histoire d'un petit justement fantôme de force. Pas un fantôme de force, mais tu sais, des fois comme on voit un peu les souvenirs de l'autre République, où on voit carrément le Great Disaster, ou qu'on voit le truc qui frappe la Lune, quoi. Ça aurait pu être pas mal. Posture. Je peux pas. Pourquoi je peux pas choisir ma posture? Je vais être obligé d'utiliser celle-là? Mais je pensais qu'ils avaient mis un point de sauvegarde exprès justement pour qu'on change de posture. C'est pas logique. Ils te donnent une posture. Ils te mettent un point de sauvegarde, mais tu peux pas changer de posture. C'est pas logique. Pour moi, c'est fait pour. Si tu lis pas les codex, bah, tu sauras jamais pourquoi la lune de Kobo est dans ces. C'est bien et pas bien en vrai. Si des gens s'intéressent, ils le voient. Si des gens s'intéressent pas. Et puis c'est surtout que le Great Disaster. Bah, tout le monde n'a pas lu La Haute République. Donc t'imagines, ils mettent ça dans une cinématique, les gens ils vont se dire, hein? Quoi? C'est quoi ça? Tiens, donc, il faut faire la part belle entre les deux, c'est compliqué. Bref, je pense que je vais devoir utiliser cette posture un petit moment. Mais en vrai, je pense que cette posture. Ouais, c'est ça. En vrai, cette posture, je crois que je vais la mettre de pair avec mon sabre simple. Et celle que j'utiliserai pour les gros gros boss, en fait. Donc on va voir si elle me satisfait. Oh, don't look so nervous. Elle est puissante, hein. Oh. Ça rigole pas. Ça rigole pas. J'aime bien cette posture en vrai. Ouais. Je suis convaincu. Convaincu. Prochain point de sauvegarde, je la mets avec. Je la change. À la place du sabre simple. Ouais, la violence, ouais. Double sabre, c'est mieux pour les vagues d'ennemis. Ouais. Tellement broken, c'est abusé. Ouais. Non, mais ça, t'as bien raison. Bah oui, je suis devant tes yeux. Oh merde. Et merde, j'étais trop loin. Ben, je connais quelle autre posture je vais améliorer, moi. C'est violent. Ouais, changer de posture. Tac, 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 Kylo Ren. Mais non, mais là, garde-moi le double sabre, il est complètement con. Voilà. Point de compétence obtenu. Tan-tanana. Qu'est-ce que t'as vu, Bidi? Oui, vas-y, active le raccourci. J'achèverai ce que vous avez commencé. Oui. Ah non, c'est pas un raccourci, c'est la suite en fait. Quel père de Kylo confirmé. Il y en a un qui a pas suivi l'histoire là. Ah mais ça y est, on a fini la lune? Mais ça nous a servi à quoi? Beau théorie 17. En vrai, il faudrait que je demande à faire à tout le monde de penser à, par exemple, pour le prochain film sur Rey, par exemple, toutes les théories. Et peut-être que je ferai une Beau théorie 17. Purée, vite, go sortir une nouvelle vidéo théorie. En vrai, je pourrais. Cette lune ne sert à rien. Attends, je suis.
En fait, je suis venu là pour récupérer la posture, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Ce qui est pas trop mal, en vrai. Je vais pas leur en vouloir pour ça. Mais c'est tout. Là, vous... Attends, y a pas d'objectif, là. Hein. Moi, je suis où ? Mais je suis là. Donc oui, c'est ça. Ok. Lune brisée, 58%. Let's go ! Vos théories, le retour, bah, j'ai vraiment envie de dire... Ok, écrivez-moi, je vais peut-être faire le dire sur le Discord ou en truc sur le communauté YouTube, là. Balancez-moi vos théories intelligentes. Et si elles sont assez intelligentes, je refais un opus vidéo vos théories. Oui, j'en serai capable. Mais il faudra des théories de qualité, évidemment. You spot that crater as we were coming in? Well, crater is putting it lightly. Attends, mais alors ça veut dire que je vais vraiment voir cette lune différemment, en fait. Elle a été détruite à cause du Great Disaster. Ah, je vais écrire une théorie, le truc, ça va avoir la taille d'une disserte. Alors, faut laisser la place aux autres aussi, hein, Scan. Hein. Donc, si c'est trop long, tu sais que moi, quand je lis les théories trop longues... Donc, faut que ce soit succinct, intelligent. Donc, ben, on va... Tanalore, c'est ça, hein ? Parce que là, on était sur la lune de Tanalore. Là, on va sur Tanalore. Eh ben, très bien, allons-y, hein. Laissez la place aux autres. C'est moi, la star, ici. Mais non, pas, non, c'est tout le monde. J'ai pas suivi, j'étais en train de clipper. Faut mettre nos théories. Tu clippais ? Sur... Non, les théories, je les demanderai une autre fois. Je pense que je les demanderai sur Discord, par exemple, ou dans l'onglet communauté de YouTube, ou les deux. Hein, je pense que je les demanderai un peu partout. Et le moment où je le demanderai, bah là, il faudra mettre les théories. Et si j'ai des bonnes théories, si j'en ai assez, je ferai une vidéo vos théories. Ouais. Sur Didra. Enquêter sur Tanalore. Attends, mais... Non, mais faut que je retourne sur Kobo, en fait. Faut que je retourne sur Kobo. Ouais, retourne Kobo. You give that old tech cow found in the lab a look. Couldn't make heads or tails of it. Maybe we'll put some pieces together after we check out Dagon's retreat on Kobo. People go to Kobo after things fall apart, not to put things back together. What about you, Grease? If you're implying that I came to Kobo a broken Ladero, you are way off, mister. I just needed a break from you all. Here we go again. C'est bon, là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? We're about to drop out of hyperspace. Sit down. Oui, j'aimerais bien m'asseoir. Mais on est déjà plus en hyperspace. Ah non, on va y aller en hyperspace, d'accord. J'ai rien compris. Ils sont fiers de cette planète, les développeurs. Je vais y revenir pas mal de fois. Ouais. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu le hub central, quoi. C'est un peu le hub où il y a beaucoup de choses, quoi. C'est pour ça aussi que je voulais pas trop visiter au début, parce que je savais que de toute façon, on allait aller. Faire un aller-retour toutes les deux planètes, ça va être drôle. Ah bah, si on est obligé de le faire, ce sera pas de ma faute, hein. Donc là. Mr. Cordova's research shows an abandoned settlement past the east side of the valley. Ok. Let's go check it out. Un village abandonné. Qui serait ici, d'accord. Très bien. Bah allons-y. Let's go. C'est parti les amis. Nous allons le trouver, ce village abandonné. Où allons-nous ? Au village abandonné. Où allons-nous ? Au village abandonné. Tous avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas Dora l'exploratrice? Tout Dora. C'est qui, Babouche? Bah c'est Scan. Allez, monte sur mon dos, Scan. Mando, t'es quoi? T'es le sac à dos. Sac Mando. Oh putain, ça y est, on part en live. Quand il te manque des infos, faut appeler Mando le sac à dos. Sac à dos. Si il te manque une info, appelle Mando le sac à dos.
Toi, t'es babouche, toi. Ça part en clip, oh non. Danton. Et famoso village. Mais wesh, c'est ma fête, bah oui. Par contre, il va falloir trouver qui est ce qui est shipper. Pour qu'il arrête de shipper. Ou alors c'est Clo, parce qu'elle arrête pas de d'offrir des tips. Tipeur, arrête de tipper, en fait. Ça va être ça. Attends, je suis où, là? Ok, faut que j'aille là. Bon, il est où, ce village abandonné? Ok. À gauche, toute. Ced, il m'a dit... Choper, arrête de choper une fois... Oui, c'est vrai. C'est vrai, je me souviens. Tu vois, on est tous des fans de Dora... De... Je vais y arriver. On est tous des fans de Dora l'exploratrice au fond de nous, en vrai. Attends, ça a quoi, ça? Salut les gars, j'ai perdu mon chemin. Est-ce que vous connaissez le village abandonné, s'il vous plaît? J'ai pas fait exprès. Attendez, j'ai ripé. Attends, mais... Non, ça rebondit sur toi. J'ai pas fait... Quelqu'un est encore vivant? Je vais me débrouiller tout seul, c'est pas grave. Bon, le village abandonné. Bon, ça c'est fermé, donc je suppose qu'on doit pouvoir passer par là. Putain, ça clip. Allez, on va s'en délecter. Je vais avancer un peu. Merde. J'ai abandonné. Au village abandonné. Oui. Aïe, aïe, aïe. Merci du clip. Sans que ça va finir... Ah, coucou, toi. Meurtrier. Mais non, ça, j'ai ripé. Il est assez long pour qu'on puisse se rendre compte de la folie qui apparaît peu à peu. Oui, mais je le regarderai... Je le regarderai en entier. Là, faut que j'avance parce que j'ai un pari à tenir, tu vois. Finir Jedi Survivor avant mi-2024. Ah, oh, je vais voler sur mon ami. Hey, mon ami. Allons au village abandonné. Oh yeah, mon village abandonné. Nanana, the last best of. Oui, le second best of fait déjà 6 minutes avec un épisode. Oh, sérieux? Ça clip dur alors. C'est vrai que c'est en fait c'est pratique si tu, en fait, si tu suis les lives et que tu clips à chaque fois que tu penses qu'il y a un truc intéressant. Après, tu peux te garder ce que tu veux, c'est facile à télécharger, des clips d'une minute, facile à compiler. Ça, c'est vrai que c'est une bonne idée en vrai. Hein. Je pense que même si... Je pense que même si ce serait pas toi qui les ferais, je demanderais à chaque fois aux gens qui seraient là de clipper, comme ça, moi, après, je récupère les clips et j'en fais un best-of. Mais toi, t'as tellement la bonté que tu fais tout. Mais en vrai, ouais, c'est une bonne idée, ça. Il y a plus de clipping sur le stream qu'une game. Oh, ça c'est... Tu vois, t'aurais dû avoir de la répartie comme ça contre Sia hier. C'est excellent. Oula, ça c'est mon gros ami, ça. Se reposer. Compétences. Bon, pour le moment, on va laisser... On va laisser s'accumuler les compétences un peu. En tout cas, pour le moment, j'avance bien et je suis plutôt content. Et c'est agréable à jouer. Vous voyez, c'est vraiment le genre de jeu. Tu alternes entre les phases de plateforme, les phases comme ça, là où c'est genre juste magnifique. Attends, les... Oh. Attendez, laissez-moi être impressionné un peu.
Ah oui, vu que c'est chaud, on remonte. The fuck ? Vas-y, tiens, coup de coude. Coup de genou ? Ah oui, dans les burnes. Oh, ça fait mal, ça. Billy, par contre, toujours intact. Bounty Hunter. Axiom Brew tracked us down. Qu'est-ce que t'as, Boubou-Fête, là ? Wow. Non, mais j'ai pas peur de toi. Non, mais t'as été trop vite, là. Je l'aime pas, lui. Mais j'ai ce qui... Non. Ok, je suis dans la merde. Help BD. Voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que t'as, Kid Fisto, là ? C'est un mélange entre Kid Fisto et... Cad Bane. Cad Fisto. Dallas. Sounds like you've been watching us. We've all been watching, Cal. Not every newcomer introduces themselves by taking down one of Ravis's boys, which, by the way, nice touch. Love a big entrance. Thanks. So what do you want? What I want, Cal, is to... Arrête pas de nous montrer son boule. For every one of these that you take down. Not the only one who came to Kobo for a little... Bon, qu'est-ce qu'elle nous veut, en fait? Take these off, bounty hunters. And I'll trade you something nice. So he was Haxian Brute. More bound to be on the way. Exactly. Lucky for you. Je suis là. I've got eyes and ears about. D'accord. Mais à quoi tu sers, alors? Drop by the saloon. I'll help you get a jump on those hunters. Okay. All right. I'll think it over. Mais elle est junk ou quoi? Everybody's got rockets except me. Who gives a puck? Vous pouvez désormais suivre les primes sur l'écran aventure. Bois des autres quêtes annexes. C'est ça, non? Traquer toutes les cibles standards et prouver votre valeur pour affronter la crème de la crème. En vrai, c'est intéressant. Je le ferai pas, mais c'est intéressant. En parlant de Seattle, elle a pas dit au revoir. Si, elle avait dit au revoir. Elle avait dit au revoir hier. Walmart Boba Fett. Elle est intéressée. Bah, t'as vu ça comme elle nous a fait ça. Comment on dit, tu sais, quand un animal, il fait ça. Il fait le beau devant quelqu'un d'autre, il fait ça. Tu sais, un paon ou un oiseau, ils font beaucoup ça, là. Vous l'avez, là, vous l'avez, la parade nuptiale. Merci, Mando. Il est aux aguets, là, tac, tac. Elle nous a fait sa parade nuptiale. J'aurais jamais imaginé mater le boule d'une créature de la race de Kid Fisto. Jamais. Alors, conseil Kishni, s'il y a bien une quête secondaire que tu dois terminer dans ton let's play, c'est celle-ci. Non. Fais ces quêtes où je te zigouille vivant. Non. La fin en vaut le coup, je te jure, parade nuptiale. C'est enchaîné, c'est bizarre. S'il y a une parade nuptiale à la fin. Bon, d'accord. Est-ce que c'est long? Il y a tout ça là à tuer?
On peut les avoir quand, Jean? Enfin, c'est assez rapide ou est-ce que je peux en faire quelques-uns à chaque fois que je vais sur Kobo? Ça va ou pas? Je connais pas, je suis un droïde, moi. Oui, je joue à question pour champion, oui, c'est vrai. La fin, je te jure, par amnésie. Pourquoi pas? Dans ce cas, oui, il y a bien plus qu'une parade nuptiale, si tu vois ce que je veux dire. Ok, la longueur n'importe pas tant la récompense est à la hauteur. La longueur, c'est ce qu'on dit, hein. Apparemment, la taille importe peu, mais tu peux les faire en cours de route. D'accord. Bah, genre, si à un moment vous voyez que je peux le faire, il faut longueur de la parade nuptiale, oui. Il faut me le dire, il faut me le rappeler. Hein. C'est, ah là, tu as un truc à côté, t'as une prime légendaire à côté et tout, vas-y, fais-le. Ah, ok. Interesting. Bah, attends, je vais essayer de comprendre parce que ils disent que. Vous avez trouvé palette track. On, we still gotta find Dagon's retreat. Mais à chaque fois, il faut que je passe à la boutique, non? Pour. Je peux pas les voir sur la carte, hein. Comment je fais? Dites-moi, j'ai pas trop compris. Il faut que j'aille à la boutique pour récupérer le truc de track. Et une fois que je l'aurai, c'est un peu comme à chaque fois dans les Star Wars. Tu récupères un truc de track pour chasseur de primes. Tu vas tuer le gars. Tu reviens à la cantina. Tu reprends un nouveau truc de track et ainsi de suite. Non, c'est comme ça? Je pense que ce sera bien indiqué. D'accord. T'en as pour instrumentier si tu commences de zéro. Oui, mais bon, si je le distille entre chaque live, ça devrait aller. Salut, poupée. So you didn't feel like helping me out there? For free? I don't think so. Bah oui, ce sera pas pour free, ce sera pour une parade nuptiale, ça on le sait tous. Il y a un truc caché là-haut. Hein. D'accord. Kylo Ren à l'attaque. Je vous avais pas vu les boules de cul. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait du catch, lui. Ah. Et... Mais il y a encore une boule de pu là. Comment on les tue ces boules de pu? Ah ok, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Merde, il a enchaîné l'enfant. Les... Sa mère. Je suis sûr qu'ils ont fait cette quête pour être dans le vide, dans la vibe mandalorienne. Ah ouais. Parade nuptiale, new mem unlocked. Les boules de quoi? Les boules de pu, c'est des boules de pu. Les surnoms de... C'est des boules de pu, c'est tout. J'ai compris. Les boules de pute. Faut voir comment j'ai avancé la tête. Quoi? Ça ressemble à des... Quoi? Les boules de 1 hein? Oh putain. Ouh là là. Ah, si, il y a mon ami. Mais par contre, attendez, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose avant en bas, non? Là-dedans. Là. Ah bah oui.
Feel the planet and everything connected. Then reach out. I think there. I felt it. Just so. Very good, Padawan. L'éducation. Les Jedi voient des opportunités dans toutes choses, même dans un monde aussi hostile que Kobo. Afin de véritablement comprendre la République en pleine expansion, les Jedi devaient absorber un maximum de connaissances et les enseigner à leur Padawan. En bas, il y a de la lave en fusion. Oui. Padawan stoïque. Pas facile à porter comme prénom. Oui, c'est vrai. Mais en bas, ouais. Ouais. Tout en bas, oui, il y a de la lave en fusion. Mustafar l'a changé. C'est vrai que maintenant, il y a plus de verdure. Là. En fait, Kobo, c'est un Vidimus. Tu bouges, toi ? Elle est vivante, la boule de pu ? Elle était vivante. Ça, par contre, je suis sûr que je peux pas y aller, ça. Ça a beau être vert. Ok, donc on est d'accord, faut que j'aille là-bas. Kobo, c'est un mash-up de tous les environnements. C'est vrai. Allez, mon ami ! Au galop, dans les airs. Non, vraiment, c'est ce que je disais avant qu'il y ait l'autre teubé qui m'interrompe, là. Je disais que c'est putain de bien joué, et c'était déjà une grosse force du premier, Fallen Order. C'était que tu oscilles entre phase de plateforme, phase de combat, histoire, observation d'un environnement super beau. C'est énorme qualité qu'ils ont gardé du premier et qu'ils ont même encore plus poussé parce que ben, les graphismes sont encore meilleurs, le gameplay est meilleur. Il y a des avantages des deux côtés hein, dans les deux jeux, mais de manière générale, c'est incroyable. Ben, en même temps, quand tu vois la taille de la map, encore heureux. Oui, au moins, elle est diversifiée. Quoi. Mise en scène est folle, tout comme le game design. Ouais. Mise en scène, game design, j'ai pas cité, mais c'était inclus dans tout ce que je viens de dire, mais oui, t'as bien raison. C'est exactement ça. Regarde, là, t'as des espèces de trucs violets, t'as de la lave en bas, t'as de la verdure ici. Incroyable! J'ai zigouillé les larves. Regardez-moi ça, là. C'est quoi, ça? Dis-nous ce que c'est, Billy. Suite à la catastrophe sur Kobo, l'activité thermique de la planète a explosé. La surface s'est fissurée et la lave a commencé à couler à flot. La pression s'est échappée à travers des fissures naturelles, mais elle a été retenue par la matière de Kobo qui se répandait librement. Ah oui, 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 c'est vrai qu'il y a une matière bizarroïde, là. Mais j'ai pas encore bien compris ce que c'était que cette matière là. T'as pas encore vu la meilleure zone de Kobo. Il y a toujours meilleur à ce que. Apparemment. I bet Z can get the data off this disk. Scan, est-ce que tu penses à une zone plutôt écrasée ou plutôt élevée? Regardez-moi ça, les petits cachotiers. Là. Active-le, vas-y, active-le. La matière de Kobo, c'est l'équivalent du cannabis, en gros. Ah ! Oui, donc c'est vraiment de la merde. Est-ce qu'il faut que je retourne de là où je viens, là ? Ah oui. Je vais vendre des bâtons de Kobo, ça t'intéresse ? Pas trop, non. Tu veux rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Oui. Attends, mais ça veut dire que... En fait, je devais aller... Il y a quelque chose à faire avec ça, là, ici? Attends, je comprends pas tout, là, wesh. Il y a quoi, là? We're not the only ones looking for something here. Okay. Oh, Dagan. Léo, Dagan, qu'est-ce qu'il fait là? La matière. On va brûler le cannabis. Non, je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire là.
Y a quelque chose à faire là? Pas compris là. On peut avoir un peu d'explication s'il vous plaît, non? Parce que là. Je comprends pas trop moi là. Oh, petit pouette avant d'aller manger! Petit pouette, Crix! Et d'aller me remettre à l'acte 5 de Fontaine. Ça, c'est bien, ça. Pourquoi tu pleures? C'est bien, ça. Ça va, Crix? Et bonne nappe, hein. Le high ground. Non, mais attendez. Attends. D'aller te remettre de l'acte 5? Hein? Que t'allais te remettre à l'acte 5. Oh là, attends, t'as vu quoi, Crix? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que t'as fait? Par contre, après, Crix, il faut que tu enchaînes sur l'histoire de Furina. Parce que pour moi, l'acte 5, l'histoire de Furina est pas finie. Enfin, il faut une conclusion, quoi, tu vois. Attends, c'est pas le truc bleu là-bas, là? Non. Là-haut. Il faut que je fasse une poussée de force. Il faut que je fasse quelque chose. Tout. Bah pourquoi tu dis presque alors? Reste la petite conclusion post-catastrophe. D'accord. Si je pouvais vivre dans l'eau. Non, ça t'a pas vu encore. Mais est-ce qu'il faut que je fasse ça, là? Mais aidez-moi, là. Je comprends. Qu'est-ce qu'on me demande, là? On me demande de faire quoi? C'est pas clair, là. Oui, mais t'as pas eu... Non, mais c'est normal, c'est normal. C'est pas dans l'acte 5. Il faut une bouboule pour activer le mécanisme. Ah oui, mais... A coupler. Power source should be nearby. Ok, mais tu m'en parles que maintenant? Ou alors il y a une bouboule là-dedans, là? Ah oui, d'accord. Salut, toi. I see you. Un peu trop excité. Mais pardon? Welcome Jedi. Is that Centauri Kree? Ah, c'est ce que tu parlais, Santa Kree. Oh. Ah, c'est sa quête. Ouais, j'enchaînerai dessus, on en parlera. Oui! Putain, on va pouvoir enfin en parler, quoi. Attends! Attends, Crix. Du coup, t'as vu... Retourne voir mes messages dans le fil Genshin, là où je mettais tout en... T'as vu... Crix, t'as vu? Pourquoi je chiale, tu crois? Non, je parle pas de ça, je parle de... Ça? Pas de spoil Genshin où je vous zigouille. Non, mais tu t'en rappelleras plus. Mais Crix, t'as vu? Mommy? Oui! Oui! Skirk! C'était elle que j'étais complètement à fond. Il y en a plein qui l'aiment pas, parce qu'il y en a plein qui disent « Oui, son design n'est pas recherché et tout. » Allez-vous faire, quoi. Très intriguant tout ça, d'ailleurs. Oui. Ah, ça fait du bien de pouvoir lâcher le morceau, là. C'était ça que je voulais te parler depuis... Bon, il y a aussi Furina, hein, le jdang, oui, évidemment. Mais non, ça, oui.
Oui, son design est pas recherché, tais-toi, tu l'as même pas vu, tu la verrais, tu serais en train de pleurer devant, tu serais en train de prier devant en disant « Mamie, donne-moi des fessées !» Attends, est-ce que j'ai pas moyen de vous la montrer? Attendez, si, j'ai un moyen de vous la montrer, attendez. On passe avec Kishni, là, on passe en bientôt en 2024, on passe en stream nouvelle génération. Je peux vous montrer des trucs, attendez. Skirk, Genshin. Attendez. Tu vas bien, Kishni? Oui, tout va bien, tout va bien. Mais là, on est en train de parler de Skirk, donc qu'est-ce que tu veux que... Alors... on va vous faire un capture d'écran, capture de fenêtre. Voilà. Regardez. Voilà. Il n'y a pas moyen qu'on la voit plus genre grande là. Pas moyen qu'on la voit mieux. Parce que là, Krix, toi, t'es... Tiens, comparaison avec Ketching. C'est marrant, ça. Enfin, voilà. Voilà. Je vais pouvoir la supprimer. Supprimer. Oui. Et ça, c'est quoi, ça? Je l'ai pas supprimé hier, ça? Attends, capture de fenêtre, c'est quoi, ça? C'était le Discord. Mais je peux le supprimer, ça aussi. Je l'avais pas supprimé hier. Ok. Alors. Bon, je vais au quick. Je ramène un truc à quelqu'un. Oui! Bah, ramène-moi le classique, s'il te plaît. C'est bien gentil, d'ailleurs, de proposer. Tu me ramènes le Mac Quick, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Ça ressemble à Mac Quiche. Je sais, ça fera plaisir à quelqu'un. C'est 10 fois la même image. Oui, mais parce qu'on n'a pas beaucoup d'images d'elle. Elle vient de Honkai en fait. Non, mais c'est ce que beaucoup disent, mais non. Prends-moi un Big Mac et un McFlurry. Mais pas à Quick. Une entrecôte bien cuite. Mais pas à Quick. En fait, toi, tu veux une entrecôte bien Quick. Ok, d'accord. J'aime bien ces bas où on voit un fond étoilé. Oui. Mais c'est ce que la plupart des gens n'aiment pas. Voilà. C'est au McDo, bah oui. Bon, bah, ou le Giant. Oui, un Giant, s'il te plaît. C'est gentil. Bah, bon app, hein. Bref, on a assez... on s'est assez... Comment je fais pour aller récupérer ça, là? On s'est assez extasié sur Skirk, mais putain, ça fait longtemps que je voulais t'en parler, Krix, putain, de Skirk. Putain, je te jure. C'est bloqué? Ok. Ah. Je vois. 15 novembre, lol, je cherche tes messages. Oui. Voilà, comme ça, tu vas voir. C'est pas Skirk qui m'a le plus marqué. Oui, non, mais c'est juste qu'en fait, moi, je savais pas qu'on allait la voir. Je ne savais pas. En fait, j'avais vu tout plein de leaks, mais pour moi, je savais pas si c'était réel ou pas, tu vois. Je savais pas si on allait réellement la voir. Donc, c'est pour ça que j'étais content. Qu'est-ce que je dois faire là encore? C'est quoi ce bordel? Il faut que je le mette là-dedans, mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et c'est quoi qui bloque? J'avais déjà vu l'image, donc je savais à l'avance qu'elle... Non, ne rien dire. Quelle pop elle a... D'accord, ouais, mais non, mais moi j'avais vu l'image, mais pour moi je croyais que c'était même des trucs de fans ou des trucs de leaks qui allaient arriver dans un an, tu vois? Parce que tu sais, on les connaît, hein, ceux de Genshin. L2 peut t'aider. Oui, c'est ce que je fais. Ah, mais tu veux dire quand je suis là-bas? Ah, t'es pas con, toi. Wouh!
will you also find an ever greater connection to the Force. C'est ça qu'il me fallait. Your connection with the Force guide you towards our shared goal. Tananor. Un padawan demande à être dispensé d'entraînement. Il ne s'explique pas, mais le maître fait preuve de retenue et l'autorise à partir. Was training Jedi for the journey through the abyss. Donc, Santa Maria, là, elle entraînait les Jedi. L'objectif des Jedi sur Kobo était la recherche de l'étude de Tanalore. À cette fin, Santarikri a établi plusieurs salles à travers la planète destinées à être utilisées à la fois par les chevaliers et les padawans afin de concentrer leur esprit et leur corps pour le voyage à travers l'abysse de Kobo. Mais c'est quoi ce qu'on appelle l'abysse de Kobo? Moi, je connais juste l'abysse de Genshin, mais elle devait également leur offrir une meilleure compréhension des propriétés matérielles uniques du système. D'accord. Bon, bref, on a trouvé. Elle est où, ma bouboule? Elle est là. Ah oui, mais alors attends. Mais... D'accord. Mais non. Mais non, pas... Attends. Non, ne tombe pas. Ne tombe. Pas du tout. Je peux... Attends, mais tu vas me dire... Tu vas me dire que je peux la faire passer par là? Mais viens là, mais non, mais... Tu peux la faire passer par là? J'ai une idée. Ah mais non, mais maintenant que je l'ai fait tomber, c'est trop tard. L'abysse de Kobo, le nuage bleu-violet dans le ciel. Ah oui, qui cache Tanalore. Ok, oui, d'accord, merci. C'est appelé anomalie de Kobo. Okay. Alors, je peux pas faire le mec chiant, mais c'est un miroir. Mais oui, mais regarde en haut, il y a une ouverture en haut. Mais attendez là. Chute B ou chute B en fait? J'ai la bouboule. Clairement, la seconde énigme la plus simple du jeu. Mais non, mais c'est même pas une énigme. Non, mais il faut juste me laisser un peu de temps, quoi. Quoi? Mais quoi? Mais... Ben voilà, non mais attends, mais j'ai une... J'ai réussi ma vie, bah oui.
Bon, maintenant faut pas que je l'échappe. Non, non. Vous avez eu peur, hein. Ben voilà. Alors, c'est là-bas, là. Non, c'est en haut. Non, on peut pas aller en haut. Non, ben non, mais faut, c'est ça, là. Voilà. Mais oui, bah oui, mais maintenant, bien sûr qu'on peut maintenant. Let's Kong. Allez, mon petit oiseau. On va passer dans les courants. Allez. Plus haut. Wouhou. Oula. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Vas-y, scanne-moi ça. Allez. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Let's move, BD. Non, il veut scanner ça avant. Qu'est-ce qu'il veut scanner? Mais qu'est-ce que tu veux scanner? Those who ask questions find answers. Une fresque sur le mur extérieur d'une salle de méditation sur laquelle on peut lire « Ceux qui posent des questions trouvent des réponses. Ceux qui combattent les mensonges trouvent la vérité. Et ceux qui voient en eux-mêmes connaîtront la voie à suivre. Oh. » Donc maintenant, je suppose que qu'on aille trouver une autre bouboule. Salut les gars, je cherche mon chemin. Trop tard. Oula! Oh non, bien sûr. Fallait que ce soit compliqué, évidemment. Il y en a deux! Il y en a deux. Très bien. Ah, très bien ça. Ok, quand tu fais une attaque, t'as l'autre qui t'attaque. C'est très bien, c'est parfait. Génial. Ah, c'est bien ça. Génial! Bon. Alors, c'est quoi les bails? Comment on va faire? Des rochers, c'est pas mal ça. Bon, j'ai pas du steam à l'infini là. Mais putain, mais... Je cherche des cailloux. Attends. Ils ont pas mis assez de cailloux. Si vous posez des questions, trouve des réponses. Sauf sur l'âge de Kishni. Monsieur... Bon. Les cailloux font plus de dégâts qu'un sabre laser. Bah c'est pour ça que je les cherchais en fait. J'avais compris. Je crois que t'es pas prêt pour Demon's Soul. Bah non, j'ai jamais été prêt pour Demon's Soul. Jamais. Non, je sais que ça va être galère, hein. Mais je veux pas tomber en bas. Je veux pas. Je veux pas me faire une poussée de force. Vous savez, comme dans la série Ahsoka. Boum! Non, ça marche pas. Ah oui, ça fait mal.
Oh non, ça c'est de la... C'est abusé là ce qui vient de se passer. Il n'y a plus de pierre, c'est ça? Tant qu'il fait une autre attaque après ça. Je vais ramasser en pleine gueule. C'est abusé. Voilà, un bras en moins. Oh, le vu qui s'est pris. Vu. Les cailloux, ouais. Je crois que t'es ok. Salut Kishni. Oh, je lurque le temps d'aller manger. Je reviens. Ok, bah bonne app. Salut Bucky. Bien joué Kishni. Merci Mando. Ah, ça fait plaisir. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a une bouboule là-haut? Qu'est-ce que c'est que ça encore? En fait, je comprends ça. On va pouvoir... Mais... Mais s'il y a une... Attends. C'est vrai qu'il y a des trucs là, je sais même pas comment... Je pensais que... Bref. Ok. Là. D'accord. Très bien. Ah, une bonne petite douche. Ça faisait depuis le début du jeu qu'on n'en avait pas pris. Hein. Alors. It's overgrown. C'est que tu peux t'attendre à n'importe quelle surprise, à n'importe quel moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Trafic Billy? Oula, j'y vais. Qu'est-ce qu'il a appris? Broyeur de Kobo, BD1 peut désormais pulvériser de la matière de Kobo sur les surfaces. Mais c'est ça qu'il nous fallait! Pulvériser un chemin de matière de Kobo sur les faisceaux de synthoniseurs de Kobo pour brûler les obstacles barrant la voie de Cal. Ok. Vous prenez des douches, vous les humains? Bah oui, toi tu prends bien des douches d'huile. On prend bien, hein? Maintenez R2 pour répandre la matière de Kobo. This strange substance is enigmatic, but not beyond our ability to study and manipulate. Like all things, once understood, it can be channeled and thus controlled.
They were studying Kobo matter in the Abyss. Is that how Dagon made it to Tantalor? Mais j'ai pas compris à quoi ça sert. Ça me fait des plateformes, non? Pas compris. Non, 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 mais ne rien dire, je vous... J'ai pas compris. Moi, j'ai cru que c'était pour enlever de la matière, mais j'ai l'impression qu'il en met. Ouais, je suis quand même intelligent, non? Ça passe. Je pense que un humain normal aurait mis plus de temps que moi pour trouver en... Arrête de pisser sur les murs, Bidi. Donc, là... Bah... Ah oui! Non. Hein? Bah là, on va le faire aux deux endroits. Ah, j'ai compris! Ou pas. Je sais pas si j'ai bien compris pour faire tomber le truc, mais on va voir. Ouais, bon. Là, ça marchera pas comme ça. Là, à mon avis, il faudrait que je fasse carrément tout un chemin. On pisse sur les murs, oui. Et voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? That's fine. Let's take this back to Z. Disque de données. Un humain normal aurait déjà fini le jeu avec tout le temps passé en stream. Ben oui, genre un humain normal comme Amiral. Ensuite, il faut que je continue ici. Tu vois bien que c'est pour ton plus grand plaisir. Working together, the Republic and the Jedi Order can understand the mysteries of the galaxy. Sounds like the order I remember. Everything Kree built here was destroyed by a catastrophe she couldn't foresee. Sometimes it feels like history just repeats itself. Oh oui, tu as raison, Cal. I heard Master Kree talking of their dreams for the Abyss. It is unbecoming to gossip and to eavesdrop. Yes, Master. My apologies. Mais Sron n'est même pas un humain. C'est pas faux. Ça m'apporte plus de quoi, ça? Essence de force. Bien, ça. Ah. Alors. Ok. Mais en vrai, je suis pas trop bloqué quand il y a des énigmes. Je me demande si je suis réellement efficace ou pas. Non. Oh, ok. Non, non, non. C'était bien où t'as été. Non. C'est pas vrai. J'avais fait bien sans faire exprès, quoi. L'énigme était fluide, là. Félicitations. Merci. Un peu de bonne vibe, ça fait du bien. Kishni fait fonctionner son cerveau. Bah, des fois, ouais, tu vois, ça m'arrive. J'ai bien... Il y a la position de Cal, quoi.
Another one cleared. Ok, bah on va réussir à monter au bout d'un moment. Allez mon ami, c'est reparti. On va éviter de se prendre les faisceaux laser, hein, ce serait dommage. Contrairement à moi. Monsieur. Quel en mode écoutez-moi me faire. Oui c'est ça. Oula, qu'est-ce qu'ils font? Il y a du calme les mecs. Moi je défends les créatures moi. Bon, même si je les tranche un peu en même temps que je te tranche, mais. Et en fait c'est pas toi que je vise. Il fuit. Et bim! On me la fait pas, moi. Non, l'autre. Ah, ok, ok. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a un truc là-bas derrière. On a une crevasse là. Allons dans la crevasse. Non, mais toi, non, mais t'es... Je savais, de toute façon. Démembré. Bon. Donc il y a ça à enlever, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Welcome, Jedi. Ah. Enemies of peace threaten the galactic frontier and our planet. Ah, d'accord. Once we cross the abyss, Tananor could be a bastion to repel that threat. A beacon for hope and justice across the outer rim. Tananor was more than a mission to her. It was a dream of a better future. Ok. Le problème, c'est que ben à chaque fois, ça fermera la porte. Donc, attends. On va résumer tout ce qu'on a vu là. Il y a une crevasse avec ça. Là, je peux utiliser la force en fait à travers, mais ça ne servirait à rien puisque la porte se ferme. Si je fais ça. Donc là, ça a aucun intérêt. Quoi. Là, la porte s'ouvre. Ton œil est passé devant la solution, mais tu ne sais pas encore. Ah d'accord. Intéressant. C'est ça la solution? Mais est-ce qu'il faut que je retourne en arrière là, non? Attends, on va retourner là-dedans. Oh, je viens de le voir. Hein, petit cachotier. Parce que là, en fait, je viens de voir qu'il y a il y a ça, là. Mais en quoi ça m'aide? Attends. Parce que je peux pas faire passer la boule par là. Donc... Regarde en hauteur, vite fait. Non mais où ça? Oui non mais il y a...
d'accord, mais putain, mais j'ai... Mais non, mais comment tu veux savoir que c'est un bloc, ça, wesh. Aïe, aïe, aïe. Merci. Bah après, ça m'avance. Ah si, putain, mais si, mais si, mais si, ça m'avance. Mais si, ça m'avance. Voilà. Voilà. Mais limite, la crevasse sert à rien, alors. La crevasse pour que je passe en dessous, elle sert à que dalle. Tu vois, tu te dis, ouais, j'ai trouvé, il y a un truc pour passer ici, mais ça sert à rien. Attends. On n'a pas fini encore. Non, non, vas-y, tu peux. Je me suis toujours demandé si je mettais ça devant, qu'est-ce qui se passe. Ok. N'aide pas, sinon il va finir le jour 2024. La crevasse, elle sert à passer si tu t'es enfermé. Ah, bien vu. Ok. Bon, maintenant je passe en mode Billy. Puis sur le mur. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire avec? Tiens, j'avais pas vu ça. I begin to worry for this project. It is not our place to question. Well, even the Padawan sense something amiss. Crainte de l'inquiétude, bien qu'il soit lié à Kobo, par un but précis, les Jedi commencent à avoir des doutes sur la façon dont leur mission se déroule. On en gagne des trucs, dis donc. Jedi prudent, Jedi intrépide. Ça me fume leur surnom, ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai, ça a les avantages. C'est dans quoi, ça? C'est que quand... Ah si, avantages. Moi, j'ai quoi, là? Dégâts de jauge de blocage. Jauge de blocage. La jauge de blocage est augmentée. C'est quoi ça, la jauge de blocage est augmentée? Enfin, c'est la... Les attaques sont plus efficaces pour briser la garde ennemie. T'as déjà les deux avantages les plus puissants du jeu. Ouais, c'est ce que je pense. Ça, c'est quoi? Synchronisation de parade, dégâts de jauge de parade. Ouais, non. Non, non, mais on va les garder. T'as encore quelque chose? Padawan sociable. My master is insistent. Well, you don't have to worry about that. Not back here. Les rigueurs de l'entraînement quotidien pèsent sur les Padawan qui cherchent des oasis de paix et de loisirs loin du regard attentif de leur maître. Padawan sociable. Et oui, t'as vu ça un peu? On voit un peu leur campement. Ça m'a servi à quoi de monter ici, là? Mais ça sert à que dalle de monter là. Padawan nuptial. Énorme. Oh, d'accord, ça sert à rien là. Mais il me reste quand même un truc à faire parce que... Bah oui. Bien sûr qu'il me reste un truc à faire. Il me faut la bouboule. Il me faut la bouboule. Ah oui! Oh putain, il faut ça! Faut faire ça, mais attends, 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 attends.
peut pas le tourner, ça? Je peux pas le tourner. Ce serait trop simple, on est d'accord. Et si genre j'essaye de faire ça là. Ça, ça marche pas? Si, mais non, mais non, mais non, mais touche le mur aussi. Vous voyez ce que j'essaie de faire, hein. C'est peut-être soit super intelligent, soit super con. Mais au moins, ça a le mérite d'être quelque chose. Ah. Ça va marcher, je vous dis. Je vous dis, ça va marcher. Non, ça marche pas. Ah, attendez. On va y arriver. Je vais griger le jeu. Oui. Avouez, j'ai grigé le jeu. Attendez, j'ai été plus intelligent que n'importe qui. J'ai dit, je vais faire ça. Dites-moi, c'est pas ça qu'il fallait faire. Yes, yes, yes. Tu pouvais juste le faire traîner au sol. Quoi? Ah oui. Mais attendez, c'est quoi la vraie technique? Il faut la faire traîner au sol? Le con. Oh putain. La vraie technique, c'est de la faire traîner au sol. Ah bon? Mais non, mais en fait, si tu veux, là, vous venez de voir mon génie en direct. Mais mon génie, dans le sens où je cherche toujours le plus compliqué. Le plus simple, je le trouverai pas. Comme 99,9. Non, non, mais ne rien dire, j'ai déjà trouvé comment faire. C'est vraiment... Fallait vraiment le faire traîner au sol? D'accord. Écoute. Ton génie dans le sens opposé. Oui, c'est un génie particulier. Il a refait toute la déco au début. Et au moins, j'ai réussi, quoi. Hein? Vous pouvez pas me l'enlever, celle-là. Putain. Ah, je suis trop fier de moi. Mais par contre, maintenant... c'est celle-là. Oui, t'as réussi 8 mois en avance, oui, mais bon. Le fait est que moi, il y a 8 mois, j'y jouais pas. Allez, let's go! C'est lequel qu'on a fait, celui-là, là? Oui, c'est celui-là. Ah, c'est bien ça. Yes! Let's search inside. Se reposer. Bah dis donc, les points de compétence, ça augmente pas beaucoup. Désolé, j'étais parti manger. Bah y a pas de problème. J'espère que tu t'es bien sustenté, mon cher Parisien. Tu viens de louper un coup de génie. J'espère que c'est clippé pour que tu le vois dans le best-of, parce que tu viens de... Bah si tu remontes les messages, là, juste au-dessus, tu vas voir qu'ils se sont bien foutus de ma gueule. Mais moi, je suis fier de moi. Voilà. Parce que je l'ai fait comme apparemment 0,01% des gens. Donc je suis fier. Je suis différent. Oui. C'est effectivement clippé, mais ce sera pas monté dans l'optique de le mettre en valeur. Oui, bah. Dommage. Tu as loupé le move le plus drôle de l'histoire des moves. Non, mais de toute façon, tu le verras. Si tu regardes le best-of, à mon avis, Mando va le mettre. Aïe, aïe, aïe.
Alors c'est quoi ça? La structure de la colonie servait de point de repère pour les Jedi sur Kobo, ces flèches rappelant volontairement les tours caractéristiques du temple Jedi sur Coruscant. C'est pas faux. Mais ça ressemble quand même beaucoup à de la Haute République, ce machin, non? Attends, il y a plusieurs chemins, là? Non, il n'y en a qu'un, c'est ici. Bah oui, mais je suis vachement surpris. Alors ça, par contre, ça m'a surpris. Tu peux jeter ton bras comme ça? T'as bugué? Yes! Ah, mais c'était un... Non, j'ai cru. J'ai cru que c'était un des... Comment on appelle ça? Un des chasseurs de primes. Walmart Dark Maul. Dark Maul Wish. Tag Wesh. Une vraie racaille, celui-là. Oui, bah oui, c'est vrai. Il s'appelle vraiment comme ça. Ah oui, c'est jugé bon de récompenser les meilleurs et les plus loyaux des guerriers, des pillards, des... Okay, en leur offrant leur propre sabre laser. Totem que les Jedi avaient pris ses propres Jedi au cours de ses chasses. Ce lieutenant armé d'un sabre à double lame utilise également un grappin fixé sur son poignet pour traverser le champ de bataille à attaque adverse. Attends, il n'a pas encore affronté Rick. Rick de The Walking Dead? De Airworld. Le boss le plus mémorable. Ah ouais, ce sera clippé, évidemment. Il prévoit déjà, quoi. Pas forcément pour les bonnes raisons. Arrêtez, là, arrêtez ça tous les deux, là. Wow, wow. Dagon must be sending them out for something. And we're following the same trail. Mais the same trail of what? Great. Boudou bip. No getting through. Bien que certaines structures aient été épargnées de l'anéantissement total, rien n'est resté intact. Les débris éparpillés et la végétation luxuriante témoignent d'un monde d'abord dévasté puis abandonné. Je vois quelque chose là-bas au bout. Un établi. Et qu'est-ce que ça signifie, les établis? Hein? Ah, je suis pas prêt. Je vais essayer de me préparer au moins mentalement, alors. La musique? Another one of these devices. This one's broken too. What? Attends, quoi? D'accord, genre la musique de la force comme ça, quoi. Ils te la mettent comme ça. Il y a eu de la trahison. Hein. Centauri. Another of Centauri's devices. Du coup, c'est pas un établi. Deux Jedi détruisent un appareil alors que Dagon Gera arrive trop tard pour les arrêter. Dans un accès de rage et de vengeance, Dagon tue les deux Jedi de sang-froid. Appareil obtenu. Cal récupère un mystérieux appareil de l'autre République. Et qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas un établi. Il le savait, Scan. À la musique, ouais. Tanalor is mine, gnognogne. John Williams pénètre mes oreilles. Ah bah là, il me les a pénétrés, oui. Attendez, mais... Il y avait autre chose, là-bas. Faut toujours que je choisisse le mauvais chemin. Ouais. Non, il n'y avait pas grand-chose ici, en fait. C'est la récompense de tout ce que tu viens de faire avant.
Ouais, c'est une sacrée récompense, hein. Ah, mais c'est un truc de... Ah non, c'est un écho. Mais ça me le disait pas tout à l'heure. Ah, on le rejoue, non? Ah, d'accord, c'est pour le revoir. Ah, ok. Super intéressant. Let's take a look. I think Master T'Pol had this one. Centauri. Un ouvrage du maître Jedi Yaddle qui détaille des arts Jedi peu connus. Malheureusement, ses notes sont incomplètes et souvent vagues. Peut-être est-ce délibéré? Il est pas content le vilain, ouais. That window leads back outside. De toute façon, en fait, on sait qui c'est le boss final. C'est Dagan. Padawan stoïque. Oula. Non, mais on sait qui c'est le boss final du coup, non? Intéressant, mais bon, faut passer Fort Boyard pour l'obtenir. Oui. Lorsque la calamité a frappé, l'évacuation de Kobo a commencé rapidement. Ah, c'est ça. Certains, cependant, ont pensé à protéger leur travail en priorité. Malgré leurs efforts, ces tentatives ont finalement été vaines. Wow. Oui, bien sûr, nous sachons, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Non, mais je sais que ce sera pas aussi facile. Padawan stoïque et Padawan sociable formeraient une bonne équipe. C'est pas faux. Master Cordova will want to see what we found. Et bah voilà, au moins on a obtenu des trucs. Un raccourci. On va là-haut. Allez, donne-moi de la force. Ou de la santé. Ça, c'est toujours de la force, non? Ah! Nouvel avantage. Mais non, mais les avantages, on s'en fout. On a déjà les meilleurs. En plus, je vois un truc tirage d'élite. C'est un truc avec la forme du pistolet, ça, non? Ouais, posture de blaster. Allez, hop. Et toujours plus de collectibles. Mais c'est pour ça que je fouille pas. Regardez, c'est inutile. Non, je plaisante. Je pense que tu dois trouver parfois des très bonnes choses. C'est en face que je dois aller, hein? Ouais. C'est bien en face, hein? On va dire oui. Passer au travers. Bon, hé, hey, on avance, non, les gars? Attends. Du coup... vous savez quoi? Là, j'allais faire ça. Alors, voilà. On va le faire monter sur le mur. Non, je plaisante. J'ai compris. On va faire comme tous les gens normaux. Et on va le mettre par terre. Voilà. Vous êtes content? J'ai agi comme un humain normal. Non. Mais j'aurais pu le faire. Hein. Ça, moi, je dis, ça aurait pu marcher. Rebucky, alors comment ça va, Kishnu? Bah écoute, ça va. Tu vois, je fais un peu des lives tous les jours parce que je vous aime. Voilà, c'est pas du tout pour jouer à Survivor. C'est pas du tout parce que j'aime Genshin. C'est parce que je vous aime. Le mec qui force pas du tout. Non, bah écoute, oui, ça va. Bientôt 2024. Hein. Donc, faut que je vois pour un peu, peut-être me faire des 2-3 petites résolutions, tout ça. Je vais voir si j'en fais une vidéo. Je suis pas encore décidé, j'aimerais bien. Mais on va voir. Je l'enregistrerai peut-être demain matin. Et puis, elle sortira demain. Dimanche, quoi. Enfin, je vais voir. Oh, il nous aime, c'est trop mignon. Bah oui. Nous sommes contents. Moi aussi, je t'aime, Kishni, épouse-moi. Alors, doucement. On va y aller doucement. Nous t'aimâmes. Oh, le meilleur compliment. Un mariage, j'adore les mariages. Tournée générale. Bah, on se marie tous ensemble, en fait, dans la Kishni Family. Bien sûr. Ah, Chocobo de Kobo. Salut, Kobo, Chocobo, beau. Oh, le squelette.
Ah, t'es piégé? Piégé de où? Ils sont où? Parce que je les entends crier, mais je sais pas où ils sont. Attends, attends. Je peux te monter dessus? Y'a rien de dégueulasse là-dedans. Hein. Juste récupérer ça. Oh, quit complaining. I'm almost done. Ah, c'est bien. On gagne des points quand on fait ça. Enfin, un peu de compétences. What a wingspan. I see why they call you gliders. But you could fly around all of Kobo, couldn't you? Okay, off you go. Don't be a stranger. Alors, avant, bien que Mosée soit une chasseuse émérite, elle sait également respecter et comprendre l'équilibre de la planète et l'ordre naturel des choses. Je l'aime bien, Mosée. Mais une question, est-ce que je peux pas aller me faire 2-3 petits chasseurs de primes? Il faut que j'aille à la cantina avant. Je veux juste une réponse, oui ou non. Ça devient creepy. Un peu. Alors, bonsoir, non, je me marie pas à la KF. Ouais, bon, c'est vrai que j'ai pas demandé le choix de tout le monde, donc, mais c'est trop tard, les contrats sont déjà faits. Pichtre, je viens de me donner envie de me revoir Pirates des Caraïbes. Ah bon, mais comment t'as fait ça? Tout seul en plus. Une cinquantaine de personnes à gérer, bonjour le mariage de rêve. C'est vrai que dit comme ça, ça vend pas du rêve. Bucky, seulement les trois premiers, rassure-moi. Moi j'ai bien aimé, je sais que je vais me faire détester. Hein. Vous êtes prêts à me détester dans 3, 2, 1? J'ai bien aimé le 1 et le 5. Let's stop here. Voilà. Il avait déjà préparé son message. Compétences. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Non, stop, scan, stop. Putain. On avait dit la force, hein, je crois. On avait déjà commencé. Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la récupération de force en cas... Ah non, on avait dit... On avait dit la confusion, ouais, mais j'ai envie de t'écouter et à la fois, je l'augmente un peu au moins. Faut que j'aille jusqu'à tout là-haut, c'est ça? Faut genre je fasse tac, 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 tac. Confusion supérieure, force redirigée. Pardon, le 5, oui. Non mais chacun ses goûts. En fait, je vous explique juste rapidement. D'ailleurs, les vidéos sont trouvables sur ma chaîne. Le 1, je sais pas si j'en ai fait une critique, je crois pas, mais j'avais jamais vu le 2, 3, 4. Et en fait, j'ai vu le 2, le 3, le 4, et je m'étais emmerdé devant. Je trouvais les films extrêmement longs. Je m'ennuyais, mais peut-être que si aujourd'hui je les revoyais, avec, je sais pas, un peu plus de patience, un peu plus de... Et peut-être que je les aimerais, en fait. Mais c'est au moment de ma vie où je les ai regardés, je me suis emmerdé. Et le 5, je l'avais vu au cinéma, donc comme il y avait un peu plus d'action et de trucs comme ça, bah j'avais aimé. Mais les 2, 3, 4, je les avais trouvés mous en fait, et je comprenais rien. Il y avait plein de... Je sais pas, il y a plein de choses que je comprenais pas. En plus, t'as pas vu, Scan. Le mariage est annulé, il faut revoir le 2 et 3 qui schnit, t'as dû te tromper. Bah oui, je pense que je me suis trompé. Confusion, tu me dis? Faut que je mette confusion? Bon, après, on peut aimer Pirates des Caraïbes 5... Si on a des goûts de chiottes. Oh, Bucky! Eh, quand tu dis que tu n'aimes pas Ahsoka ou autre, je dis pas que t'as des goûts de chiottes. Hein. Le respect, ça va dans les deux sens, hein, mon Bucky. Hein. Non, mais écoute, je pense juste que j'étais dans une période de ma vie où j'en sais rien. J'avais pas la patience peut-être de regarder le 2, 3, 4. Et puis quand t'es au ciné, tu apprécies peut-être mieux. Je ne sais pas. Tu dois aller tout en haut, c'est le but. Ok, bon, je vais suivre ton conseil alors. Le 5, c'est un enchaînement d'incohérences. Ah ben ça, après, tu vois, pour les cohérences, pour la cohérence et tout, tu vois, je pense que c'est... En fait, comme je connais pas l'univers... Vous savez quoi? Comme je connais pas l'univers de Pirates des Caraïbes, je connais pas bien, j'ai pas vu les incohérences, et j'ai juste vu de l'action. Vous savez, j'étais en fait un spectateur lambda. Donc c'est peut-être simplement pour ça que je l'ai apprécié. 2024, faut refaire ta cinématographie. Nouvelle résolution. Et on aurait beaucoup à faire, hein. Des je n'ai jamais vu, je pourrais en faire un paquet. Hein. Le 5, j'en ai fait une vidéo critique en 2 parties pour expliquer en quoi il est extrêmement mauvais. Mais je veux bien te croire. Moi, Kishni, je te conseille de regarder Star Wars. Je sais pas si tu connais, non. Je pourrais faire un je n'ai jamais vu Star Wars, si ça vous dit. Avant le prochain qui va sortir sur Rey.
Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont le détester sur Internet, et puis moi, je vais faire un coup de gueule. La boucle va recommencer. J'aime pas Ahsoka non plus. Aïe, 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 pire perso de l'histoire. Aïe, 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 et une noob. Aïe, 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 surtout qu'elle a, elle a la posture du noob. J'ai des goûts de chiottes, j'aime bien Power Rangers. Donc, on a tous un peu des goûts de chiottes, quelque part. Mais c'était bien Power Rangers à l'époque. Mission Impossible, Kishni, faut regarder ça. J'en ai vu beaucoup des Missions Impossibles. Mais faut que je me refasse. J'arrive au Québec pour regarder avec toi. Ah bah ça, j'accepte. Oh oui, le coup de gueule. Bah, on va recommencer le cycle 10 ans après. 2025, si le film de Ray sort en 2025, on refait la boucle 10 ans après. Et tu sais quoi, je serais même capable de faire coup de gueule 10 ans après. Chiche, on fait ça. En vrai. Bon, allez, on va augmenter ça. Je vais faire confiance. Je te fais confiance, Scan. Hein. Là, vraiment, je suis en mode, je te fais confiance de fou. Hein. Erin et Ron, après avoir lancé la confusion sur une cible pour désorienter un autre ennemi. Parce que c'est Erin pour le rendre confus, c'est ça? Attends, réponds-moi. C'est Erin juste pour rendre confus un ennemi? Mais après, tu appuies sur Ron pour après... Oh, putain, peut-être qu'il... Attends, afficher capacité. Ah oui, c'est ça. Ça doit être ça. Ouais. D'accord, donc ça, en fait, ça... Ok, ça en fait deux. Ok. Là, par contre, ça nécessite deux points de compétence à chaque fois. Mais mon but, c'est d'aller là-haut. Sauf que là-haut, je suis obligé de passer par lui. D'accord. Et ça, genre, ça fait quoi? Maintenez L2 et appuyez sur R1 pendant que vous maintenez un ennemi soumis à l'attraction pour le forcer à tirer avec son arme. Ok. Fonctionne uniquement sur les humanoïdes. Bon. On pourra le faire peut-être plus tard. Les ennemis confus infligent des dégâts supplémentaires. Non, on ira plutôt de ce côté-là. Désoriente les ennemis humanoïdes résistants. Et là, maître de la confusion. Qui fait désoriente avec succès même les ennemis humanoïdes les plus résistants. Bah écoute, mais dans ce cas, il n'y a même plus de combat après. Enfin, je veux dire, quand ils sont plusieurs, si, c'est bien, en fait. Quand t'es seul à seul, bon. Là, limite, c'est trop simple, quoi. Fais-le, je t'épouse. On verra. Je ne suis pas optimiste pour le retour de la Rey de Star Wars 9. Eh, faut partir, optimiste. Sinon, c'est sûr que tu n'aimeras pas. Here we go again. Ouais, on fera ça, Mando. Et je te rassure, Mando, la trilogie Pirates des Caraïbes, c'est la best. Force rediriger, c'est le pouvoir le plus broken du jeu si tu prends un mec avec le minigun. Hmm. Ouais, parce que tu peux le dire de tirer sur autre chose, quoi. J'aime bien aussi le 4, je l'accepte comme un DLC de jeu vidéo. Il est dire si tissant et n'entèche pas l'univers. Oh, bonjour Willou! Plaisir de te voir, Willou. On est en train de parler de Star Wars, de Pirates des Caraïbes, de tout ce que tu veux, sauf de Jedi Survivor. Non. Je rigole, bien sûr, on avance bien. Allez, on va continuer. Bah, j'espère que ça va, Willou. Comment se passe ton vendredi? Ah, qui est bien entamé chez toi, mais... Alors, j'ai entendu des gens crier tout à l'heure. Ils criaient d'où, les mecs, là? De bons films, quoi. Oh oui, oui, oui. C'est sûr. Bon, bref, il faut que j'aille. Ah oui, vous m'avez peut-être répondu, mais... Pour les chasseurs de primes, est-ce qu'il faut... Ma question est simple, oui ou non. Pour aller... Parce qu'avant de quitter Kobo, j'ai envie d'aller battre un chasseur de primes. Si je veux faire ça, est-ce qu'il faut que j'aille d'abord à la cantina pour avoir un espèce de petit truc de capteur pour aller... Est-ce que je dois passer par la cantina? Nous sommes 7, 2 de plus et on formera communauté de l'anneau. On devrait... Faut aller recruter sur le Discord, là. Allez tous les faire chier en privé, là. Et il y a Ced qui va revenir, à mon avis, du quick, au bout d'un moment. Pirate, ça va plus loin que le 3, par contre. Ah, ça va pas plus loin que le 3, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord. Non, pas besoin. Mais il spawn au fur et à mesure de l'histoire. Ah, pas besoin. Il spawn au fur et à mesure. Ah, donc c'est pas vraiment un ex. Je le fais, en fait, finalement, dans l'histoire. Bon, en tout cas, si à un moment j'en oublie... Et je suis à 32% de Kobo, ouais. Si à un moment j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire. Je dis ça pour Rey, Kishni, parce que
La Rey de Star Wars 9, ce n'est pas la même la Rey de Star Wars 7 et 8. Il y a même eu un fan art très rigolo qui a été fait dessus où les Rey du 7 et 8 rejettent la Rey de Star Wars 9. Ah ouais ? Bon, je la trouve pas si différente. Tu peux aller en chercher 3 actuellement. Ok, mais où, quand, comment ? Comment tu sais ? Comment tu sais ? Faut me dire comment faire. Là, pour le coup, j'autorise qu'on me dise comment faire, quoi, là. Quoi, ça, là ? Bon, c'est l'endroit de tout à l'heure. Ah bah, tiens. Hein, Turgle. Oulala. Waouh. Et les mecs, là. Ah bah, c'en est un, non? Oui, c'en est un, je crois. Bon, il est en train de me défoncer. Attendez, j'étais pas prêt, moi. Par contre, eux, ils réapparaissent pas quand on sauvegarde. Parce qu'après, j'irais bien sauvegarder. On bourrine. Et ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Voilà. En fait, on les voit pas. Hein. Palais de Track. Bien ça. Échanger contre une récompense auprès du marchand. D'accord, ok, c'est pour avoir des récompenses, d'accord. Mais moi, ma question, c'est comment tu les as vus? Qu'est-ce que j'obtiens, là? Nouvelle graine. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que j'oublie à chaque fois de casser des trucs d'éléments de décor, là. Bon, vous m'avez pas répondu pour les chasseurs de primes. Comment je fais pour voir? Ah si, elle est très différente. La Rey du 9 est colérique, ses limites. Elle a tout le temps la rage. Elle est antipathique. Elle ne communique jamais avec personne sur ses doutes, ses peurs, ses espoirs, sauf avec Ben. Bah, tu sais, elle a changé depuis entre ce qui se passe dans le 7, où elle était assez naïve, mais tu sentais qu'elle avait quand même déjà quelque chose au fond d'elle. Dans le 8, c'est ça qui, pour moi, a fait un peu basculer le truc. Parce qu'elle a, connu Luke, elle a connu des... elle a été un peu côté... pas côté obscur, mais un peu... elle a balancé entre les deux à cause de Kylo Ren. Elle s'est endurcie aussi, notamment quand elle a été se battre contre... Snoke. Et là, après, dans le 9... Bah, elle s'est déjà beaucoup plus entraînée, elle est beaucoup plus sûre d'elle, entre guillemets. On n'a pas eu l'habitude de la voir comme ça. Et puis bah, là, elle doit faire face à un enjeu quand même de fou. Je sais pas, non Sauf avec Ben. Bah, sauf avec Ben, Leia, Luke, ouais. Comme par hasard, des gens qui finissent morts. Et surtout, la fin nous la montre comme régressée, en s'enfermant dans un syndrome de Peter Pan. Oh, moi, j'ai pas vu tout ça, moi. Non, moi, je trouve que c'est pas forcément... Enfin, ça peut être une évolution logique de personnage, comme illogique pour certains, peut-être comme toi. Mais moi, j'ai pas été aussi loin dans ma réflexion. Je me suis juste dit que c'était logique selon ce qu'elle avait traversé, autant dans le 7, 8 et 9, quoi. Parce que pour moi, après... Parce que pour moi, après, ce serait la même...
critique qu'on pourrait faire, par exemple, tu sais, à Luke, pour les gens qui disaient qu'il était aigri, tu sais. Ben, Rey, il s'en est passé des choses aussi, et on peut comprendre pourquoi elle est peut-être aussi réfractaire, quoi. Ouh là là! Mais j'ai utilisé un Steam. Pourquoi il a pas utilisé le Steam? Bon, c'est pas grave, de toute façon, je peux oublier de les battre. Il y a toujours des gens pour râler à chercher la petite bête du pourquoi j'aime pas Rey. Bah, non, mais ça, c'est sûr. Alors, on va utiliser lui là. Attends, sur le coup, il peut peut-être m'aider à monter là-haut, non? Ouais, c'est ça. Lolo. Non. Alors L2, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça me sert à quoi, ça? Oh non, un Yeti. Merde. Tu mords. Oh non, je suis pas mort! Mais tu es la première fois que tu avais fait ça. Non, mais non! Mais je lui ai fait une super attaque! Un Yeti. Tu fais du hors-piste? Ouais, je crois que je fais un peu de hors-piste là. Quand tu l'analyses bien, elle est drastiquement différente. Elle a complètement régressé au point qu'elle a fait des conneries encore plus que dans le set. Mais ça arrive. Regarde, dans le livre que je lis, à un moment, Luke, je vais pas spoiler, mais il fait une connerie. En particulier sur le coup de l'impulsivité. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive même à Luke dans le livre que je lis. Et il a quand même de l'expérience et il a fait une connerie à un moment. Mais il le sait. Et elle est encore jeune. Elle a tout dû apprendre d'un coup. T'imagines, c'est comme si d'un coup, on te dit t'es un génie. Forcément, tu vas faire des conneries. Forcément, parfois, tu peux être un but de ta personne. Forcément, tu vas parfois être un peu trop sûr de toi. Forcément, tu vas avoir des moments où tu vas être sympa, des moments où tu vas péter plus haut que ton cul et le cul de tout le monde. Donc, pour moi, c'est normal. J'ai pas de problème avec ça. Appelle le Bigfoot pendant que tu y es. Moi, je suis aussi colérique, antipathique et je fais des conneries, mais c'est parce que je suis con, j'ai une vie de merde. Mais non, t'es juste un génie incompris. Bon, alors, on va éviter de faire du hors-piste. Ah oui, effectivement, c'est derrière, quoi. Lol. C'est bien là, hein. Ouais, allez, on y va. Donc, je repose ma question pour la millième fois, à peu près, 999. Est-ce qu'il y a un moyen que je vois les chasseurs de primes sur ma carte? Please. Ou est-ce que ça va popper comme ça? Attends. Attends, mais... Mais putain, mais... Attends, mais quand t'es là-dessus, t'as la posture du... Pourquoi j'ai un flingue à... Comment je fais pour tirer? Je vois que j'ai un flingue. J'ai la posture du flingue quand je suis là-dessus? Comment je fais pour tirer? Ça me dit R1, mais quand j'appuie sur R1, ça fait rien. Je comprends rien à ce truc. Don't worry. Time to go. Je comprends rien. Génie incompris. Belle manière de me dire que je suis archi con. T'as vu mon génie à moi?
T'as vu mon génie à moi de tout à l'heure, 0,01% des gens. Je te conseille d'explorer la zone sur ta gauche. Tu les croiseras en chemin sans les voir. D'accord, ok, merci. Alors, la zone sur ma gauche. Attends, avant, je vois une toute petite entrée là. Ici, on va d'abord aller voir ici. C'était ça ? Oui, c'était ça. Ah, c'est un point de sauvegarde. Bon, ça sert un peu à rien. Mais ici... Ici... Je dois peut-être pas y aller, là, non ? La zone qui mène vers les petits bâtiments avec des pics. En gros. Là ? Ou là ? La zone qui mène vers des petits bâtiments avec des pics en gros. Tout se ressemble. Ah, ça là ! Ça là ! Ça ! La raie du 7 et du 8, elle est ouverte. Fais gaffe de quelle raie tu parles. Parce que, alors là, à l'écoute, communicative et acceptée le côté obscur. Elle était tournée vers les autres et réfléchissait avant d'agir. Si elle était restée cohérente, elle aurait été sûre. Ses capacités auraient continué à rechercher son côté obscur. Ça, ce serait la raie parfaite qui aurait maîtrisé complètement ses émotions, qui aurait maîtrisé complètement la force. Or, elle n'est pas parfaite. Tu sais, j'ai l'impression que parfois, on part du principe que tu maîtrises la force, t'as appris, tu dois faire aucune faute, tu dois être parfait. Pour moi, c'est non. Et aurait communiqué de ses doutes, de ses peurs, de ses espoirs, de sa relation. Non, justement. Tu dis qu'elle aurait communiqué. Non, une fille comme Ray, c'est pas une fille qui dit ce qu'elle pense. C'est une fille qui a dû se débrouiller toute seule depuis qu'elle a 5 ans. C'est une fille qui a eu l'habitude de ne pas parler de ses états d'âme. Je peux te dire que si ça va pas, elle va pas se confier. Non, non, non. Elle aurait dû communiquer ses doutes, ses peurs, ses espoirs. Pas du tout. Moi, je la vois pas du tout comme ça. Quand tu grandis seul et que t'as pas été habitué à parler des gens et à te confier, c'est pas quelque chose que tu vas développer en deux-deux. Après, qu'on l'apprécie comme toi, c'est tout à fait louable, mais quand tu l'analyses correctement, ce n'est pas la même raie. Après, moi, là, je te dis mon point de vue. Enfin, j'allais dire, il peut être mauvais. Aucun point de vue n'est mauvais. On a tous le sien, d'accord ? Et aucun n'a raison. Il n'y a que ceux qui créent Star Wars qui ont raison, parce que bah, c'est eux qui créent les personnages et c'est eux qui savent quoi en faire. Donc c'est eux qui ont la main mise dessus, nous on n'a rien à dire. On a juste à apprécier ce qu'ils nous donnent, ou pas apprécier si on n'aime pas. Mais, ok, oui, cette zone, bah, je vais y aller alors. Ah bah tu n'as pas compris, Ray. Mais tu vois, c'est ça que je comprends pas, le « tu n'as pas compris ». Pour moi, il n'y a pas de avoir compris ou pas compris. Faut juste l'interpréter comment toi, tu l'interprètes. Et c'est pas parce que, par exemple, toi, tu l'as compris d'une certaine manière que c'est toi qui as raison, tu vois ce que je veux dire. Chacun le voit à sa manière et chacun aussi l'interprète à sa manière selon comment ceux qui font Star Wars la montrent. Parce qu'elle a appris à s'ouvrir auprès de Han, Maz et Finn et surtout Kylo Ren qui était son... professeur dans le 8. C'est pas... Je la vois mal se confier à Kylo et tout, quand même. Et Maz, Finn et tout. Rey, je la vois quand même comme une personnage solitaire qui a, certes, oui, des amis, mais qui est quand même assez en recul et assez renfermée. Hein. Donc là, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est quoi ça ? Ah, Billy, vas-y. C'est quoi ça ? What'd you find ? Étude écologique. Les blocs de données d'un habitant de Kobo curieux qui étudie l'intérieur de la grotte. Je ne peux pas progresser davantage sans un équipement spécialisé. Je devrais faire demi-tour. Mais les sons provenant de l'intérieur m'attirent. Quelle sorte de grotte peut bien abriter une telle multitude de bruits ? Ça, à mon avis, je peux y aller quand j'aurai un équipement, un autre grappin, mais en tout cas que je n'ai pas maintenant, quoi. Ok.
Donc on va aller là où tu m'as dit, Scan. T'as oublié les Force Bond dans le 8. Non, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Que justement, ça fait partie des choses qui, pour moi, lui ont fait du bien d'une telle manière, d'une certaine manière, oui, mais pas du bien, parce qu'elle s'est sentie... Regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé. Tu t'es dit, elle s'est ouverte. Ok. Elle a fait confiance à Kylo Ren. Ok. Donc là, elle a commencé à sourire. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Je te le demande. Kylo Ren lui a fait à l'envers. Comment elle peut pas se sentir trahie et comment elle peut pas se renfermer sur elle-même après? En se disant, ah ok, je me suis ouverte, j'ai vu ce que ça a donné, je me suis fait trahir. Donc, bah, je le fais plus. Où elle parle de ses peurs, de ses déceptions, les moments qu'elle partage avec Ben, surtout après la scène du mémoire. Ben oui, mais ça enlève pas tout ce que je viens de te dire là. Te faut le jetpack pour y aller. D'accord, ben, je savais même pas qu'on avait un jetpack. Moi j'ai vu le 9 une fois et j'ai pas envie d'aller le revoir. Pourtant j'ai aimé le film. Ok. Mais t'as pas le temps aussi, ben. Bon alors, c'est où? C'est juste en face. Ok, on va y aller. Je raconte juste des conneries pour le jetpack. Ah bon? Quit your belly aching, Leo. Let me see it. Ah, Mozy. That ain't gonna heal. Sorry, hun. Not your day. Ah, c'est ça les trucs avec les pics. Oh, ouais, dis donc, wow. Rather in the ground peaceful than someone's dinner. Mozy et son fidèle Neko, Léo. Se retrouve dans une situation dont l'un d'entre eux ne peut pas se sortir. Mosé fait nécessaire avec une compréhension solennelle et autant de compassion qu'elle peut. Attends, c'est chaud ça. Ça fait juste un peu peur quoi. Non, c'était pas. Ah, chiotte. Mais non, c'est pas toi que je vise. Et ça a bien servi l'entraînement, hein, n'empêche de la dernière fois. Bon, tu m'attaques ? Voilà. Ça arrive en force. Merde, je vais dedans moi, mais oui, je suis vraiment bon. Je l'ai pris avec la force. Je vous jure que si vous me jetez dans un guet-apens là. Ouh. J'aime bien le 9. Et j'ai aimé le voir au cinéma. Mais j'en serais un éternel insatisfait. Je me dis qu'on aura pu avoir quelque chose d'encore plus grandiose quand j'ai vu les idées des autres scénaristes. Alors ça, par contre, je dis pas non. Je suis d'accord que. Avec peut-être un peu plus de temps, un film un peu plus long, certaines scènes beaucoup plus creusées, approfondies et des idées peut-être originales, le film aurait pu être mieux. Je suis totalement d'accord. Kylo lui a dit qu'elle était la seule personne qui comptait pour elle et lui proposait de régner avec lui sur la galaxie comme Hadès le fait avec Perséphone pour te rappeler le parallèle que je t'ai montré. Ouais. Rey avait trouvé son âme sœur parce que Ben est la seule personne capable de la comprendre. Elle était d'accord avec l'intention de vivre avec lui, mais avec sa méthode de tout détruire.
mais pas avec sa méthode de tout détruire. Ben c'est ça, en fait. C'est qu'au début, elle se trouvait un compagnon, elle s'est dit ouais et tout. Et puis finalement, elle a vu qu'il était aussi absolu que Anakin, en fait. Ça a été une re-Anakin Padmé. Ça s'est refait, quoi. C'est trop absolu. Le 9 n'est pas aussi horrible que tout le monde le dit, mais clairement, je préfère largement le 7, surtout le 8. Ah, le 8, fouah. Un guet-apens ? Non, jamais de la vie. On va voir. Attends, il y a ça, on va utiliser ? Attends, pourquoi je peux pas ? Attends, c'est... Attends. Oui, je suis en train de voir un truc, je peux pas les... Ah si, mais pas celui avec l'épaulette. Ah, c'est bien ça. Ok. Il est level 2 niveau mental. Le mec a l'épaulette, d'accord. J'ai compris. Alors, dans quoi il nous emmène là? What the f... Aïe. C'est vraiment un guet-apens là. Il est bien déguisé ton guet-apens. On se démerde. Alors qu'est-ce qui t'arrive? T'en as encore? Non? Parce que moi là j'en ai pas eu assez là. Je trouvais ça trop satisfaisant. Et après Scan, tu te plains que le let's play prenne du temps. Bah... Non, c'est juste qu'il veut pas télécharger Genshin, donc il veut pas que je le termine avant le pari qu'on s'est fait, là. Bon, mais écoutez, je me débrouille plutôt bien, quand même. Ah. Moi, j'ai cru que c'était un mur invisible. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait la porte du palais de Jabba. Ils sont un peu nombreux là. Hein. On va pas paniquer. J'ai paniqué. Il y a aussi l'aspect quand même extrêmement jouissif du jeu dès le moment où t'arrives, tu commences à bien maîtriser quoi. Oh c'est bon ça. Apprends à viser peut-être. Merci. C'est addictif ce jeu clairement. Ouais. Bien joué, tu as déjoué mon guet-apens. Tu es trop fort. Merci, mais quelque chose me dit que c'est pas encore fini. Je me gâte, je vais me remettre à poncer ce jeu et Genshin. Bien ça. Rey et Ben devaient former le couple ramenant l'équilibre dans la force, l'héritier d'une famille puissante dans la force, une fille qui n'est personne. Le champion de l'obscurité, la championne de la lumière, le masculin, le féminin, le yin, le yang et le neuf a foutu en l'air cette idée. Oui, mais si ça arrivait, l'équilibre aurait été là et il n'y aurait plus d'histoire de Star Wars, donc fallait bien que quelque chose foute la merde. En privant Rey de sa moitié, en faisant d'elle une Palpatine, ce qu'elle est,
et en déséquilibrant la force une nouvelle fois vu que seul le côté lumineux l'emporte. Mais bon, heureusement que l'on a les fanfictions à côté. Bah, je suis pas d'accord parce que c'est par exemple ce qui est raconté dans Shadow of the Sith où tu t'en apprends beaucoup mieux sur la famille de Rey, sur ses parents et tout ça. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant du père, voilà, qui est pas satisfait de ce qu'il est, quoi, finalement. Et qui sait que qu'est-ce qu'il l'attend pour sa fille. C'est vraiment super intéressant. Après, Disney a un peu foutu la merde aussi avec le réalisateur. Et, tu vois, à part Rian Johnson, c'est vrai que peut-être que... Alors, pour le 7, JJ, c'était bien, mais pour le 9, c'était peut-être pas ce qu'il lui fallait. Je veux bien l'admettre. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'admets. Ça n'empêche pas que le 9, moi, j'ai apprécié, mais ça n'empêche pas aussi que je me dis que ça aurait pu être mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là? C'est tout? Mais on n'a rien eu? Non, il y a quand même quelque chose, là, non? Tu vas pas me dire qu'il n'y a rien? Bah. Il y a vraiment rien? Non, il y a plus rien. Mais ça a servi à quoi? Après, ok. Non, mais Kishni quitte cette planète maudite. Je vais faire ça, ouais. Sauf si tu vas à gauche en sortant. Oui, oui, non, mais je sais qu'il y a une partie que j'ai pas visitée encore. Non, non, mais ça c'était prévu. J'allais aller là. Et après, je quitte cette planète maudite. What'd you find? D'après les preuves, Arcaline était autrefois le centre d'activité d'un gang de bandits locaux. Bien que l'endroit soit toujours occupé par des soldats, des pillards du chaos et des droïdes de combat, ces objets abandonnés témoignent de leur existence d'une base plus active, désertée suite à un certain incident. Bah là, ouais, bon, moi je vais méditer, mais bon. Il y en a plein qui vont réapparaître, quoi. L'info de faire de Rey avec... de faire de Rey une Palpatine, soit tu introduis ça dans le premier film, ou tu la ramènes... ou tu l'amènes dans le deuxième. Mais pas dans la conclusion. Au contraire, je trouvais que c'était un bon twist, parce que tu le sais pas. Alors après, maintenant, tu peux le savoir avec Shadow of the Sith, par exemple, mais avant, tu le savais pas, ce qui fait que quand tu vois le 9, ben, t'es surpris. Alors, on continue là, vraiment? Bah, de toute façon, on va rejoindre un endroit que je connais, donc, ben... On va aller au bout, on va bien voir. Hein. Au bout de quoi, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ici? Il s'est régénéré, mais non, mais... Je sais pas où je vais là. Tu connais ce lieu, Willou? Oh. Mais on s'en va où là? On voit pas du tout où il faut, hein, mais... Et j'espère qu'il y a un truc sympa au bout, hein. Même si je sais pas dans quel bout on va, mais alors... What the... Oh non. Oh non, hein. Oh non. Ok, d'accord. Ça s'appelle comment, ça? Rejeton
Dogo, mais j'en ai déjà affronté un comme ça. J'ai esquivé 30 fois. Qu'est-ce qui fait mal? D'accord. Ah, il me tue direct. Ok, d'accord. Allez, bonne chance. D'accord, merci. Quand je disais on quitte pas Kobo avant 2024, j'étais entièrement sérieux. Non mais attends, mais je vais pas me laisser avoir par une petite bouse comme ça là. Non mais. Faut que je les retue eux. Non, je les retue pas. Non. Pas que ça à faire, moi. Allez, je vais l'affronter l'autre là. Mais bon, les ennemis qui one-shot comme ça, c'est... Non. Vas-y, enchaîne 36 milliards fois la même attaque. Bon d'accord, je sais pas si je vais le faire finalement. Ouais, je crois pas que je... Non, je crois que c'est pas une très très bonne idée finalement. Ouais, c'est pas une très très bonne idée finalement. Je vais être honnête, j'ai pris une après-midi entière pour le battre en grand maître. J'avais pas la posture de Kylo qui fait masse de dégâts. Que c'était connerie, Scan, il va pas retourner sur Jedi et on devra attendre l'année prochaine pour voir l'une des meilleures séquences du jeu. J'aurais pas le temps de le faire en 1h30. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a un méga moustique chez moi. Mais comment il a pu rentrer? Enfin, c'est pas un moustique, hein. Je sais pas ce que c'est, là. Attendez, je vais lui faire sa fête.
Je lui ai fait sa fête. Ce machin, il était... Et à un moment, je vois... Franchement, on aurait dû me filmer. J'étais comme dans Jedi Survivor. Mais il était énorme, c'était un truc volant, mais c'était... Je sais pas comment ça s'est rentré. Il n'y a rien qui est ouvert chez moi. Comment il a pu rentrer? Je comprends pas. Et à un moment, je lui mets une tollée, il est un peu dans les vapes, puis il se remet à voler, et il me fonce dessus, là, comme ça. Et moi, j'étais avec mon sabre laser, blanc, je lui en mets une, là, fini. C'était un boss IRL. Oui. Lui, au moins, je l'ai eu. Ah, attends. C'est un drone impérial, défonce-le. Mais c'était ça? Un boss IRL double sabre. Ah non, j'étais avec la sabre pantoufle. Enfin, mon streamer préféré est arrivé. Bonsoir, chaise. Oh non. Je suis sûr que la chaise est plus forte que à ce jeu que Kishni. Possible. Pourquoi t'es revenu? Tu es bien au Canada ou en Australie? Oui, mais ce machin, mais... Le pire, c'est que moi, tout est fermé chez moi. Ou alors, même quand j'ouvre, il y a des moustiquaires. Comment un machin comme ça a pu rentrer? Ça me fascinera toujours. Il l'a 1v1 hors champ. Oui. Je vous aurais bien fait un replay, ça aurait été dans le best-of, ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, je suis buté, hein. Là, je vais vouloir me le faire, le salaud. En Australie, il y a des serpents qui se baladent tranquilles sur la route. Ouais, mais non, mais... Ventilation. Bel boss. Il y a un trou quelque part. Never give up. Ouais, mais... Écoutez... Moi, faut pas me lancer là-dedans parce que... Je n'arrive pas à m'avouer vaincu dans ces genres de... On réessaye quelques fois, si vraiment ça marche pas, on arrête. Il me fait peur rien qu'en le voyant. Pas le live avant. Mais non, de toute façon, dès que je le tue, je retourne sur Jedha, t'inquiète. Le pro du Kung Fu battu par un crapaud, ce sera un peu humiliant. Arrête! Il te one-shot en plus. Pas moyen que j'y aille plus vite, non? Et que par là, hein. Ouais, là, y a pas moyen que je saute et que j'aille... Parce que par contre, c'est ça qui est chiant, c'est qu'à chaque fois pour y retourner, j'ai tout ce chemin à faire. C'est pas top top quand même. Y'a pas un truc de sauvegarde pas loin là? Si, mais il est en bas. Tant pis. Non mais là c'est abusé là. Eh ben, ce qui me fait le plus chier, je pense, c'est le chemin, à chaque fois. Parce qu'encore, il n'y aurait pas le chemin, tu réapparais devant, c'est bon, t'es tout de suite... Et puis regarde, comme ça met longtemps, quoi, on est sur PS5 ou quoi? Ouais, les droïdes ont fait plus de dégâts, mais ça, c'est clair. Non, mais en fait, j'ai tellement peur de me faire one-shot que du coup, je l'attaque même pas.
Ok. Moi, au tout début, il me semblait possible. Je comprends pas. Non. De toute façon, le stream, dans une heure, il est fini. Le stream, dans une heure, il est fini déjà. Donc, il n'y aura pas de 24 heures. C'est sûr qu'il faut que je comprenne son pattern. Mais j'ai l'impression qu'à aucun moment tu peux l'attaquer. J'ai vraiment l'impression qu'à aucun moment tu peux l'attaquer. Je stream Genshin... Peut-être du Genshin Honkai, on verra. Mais après manger, ouais. Y'a un mec qui a mis 8 heures pour le battre, il était en normal. Et c'est censé me rassurer, ça. Attends, je vais tenter une strat. Double sabre. Pourquoi je peux pas choper ça? Je vais me l'inquiéter. D'où ils attaquent d'en haut là? Ils font chier. Ils faisaient pas ça tout à l'heure. Mais d'où il m'attaque aussi là? Pourquoi? Je pense qu'on va aller sur Jeddah. Parce que autant t'as des ennemis qui sont possibles. Lui, il est même pas marrant en fait à battre quoi. La manette va passer par la fenêtre. Ouais, après je vais m'étonner comment ça se fait qu'il y a des moustiques qui passent par la fenêtre aussi. La crossguard, ouais, mais bon. Ouais, les droïdes là, je sais pas, pour une fois ils m'ont fait chier là. Avec la crossguard, ouais, faut bien essayer, mais... Là, j'y prends même pas de plaisir, quoi. Il t'attaque tout le temps, tu peux rien faire. Il est où le fun?
Encore, tu te dirais, il y a une technique, mais là, il n'y a même pas de technique. C'est... Il te bourrine tout le temps, t'as pas le temps. Tu sautes, même quand t'es en l'air, il te touche. Tu fais des esquives sur le côté, il te touche. Il te touche une fois, il t'enlève les trois quarts de ta vie. Enfin, je veux dire, où est le fun, là? Regarde-moi ça, putain! C'est ça aussi, tu peux pas attaquer. Parce qu'il te réattaque toujours direct après. Donc je vois pas comment, je vois pas quoi faire. Je comprends pas. Regarde-moi ça. En fait, tu peux faire quoi? Encore, tu les pars, et encore, il y a sa jauge, tu sais, de résistance. Tu peux dire, bon, ok, tu l'as fait descendre, une fois qu'elle descend, tu l'enchaînes, c'est bien. Mais là, tu le contres. T'as même pas le temps de... qui te... comme ça, directement dans la gueule. Tu fais quoi? J'ai vu tous ces patterns. Il y en a aucun, il y a aucun moment où t'as une ouverture pour le frapper. Où est-ce que c'est drôle à ce moment-là? Ce boss est le plus fort du jeu, plus fort que le dernier boss apparemment pour certains. Ah ouais? Bien plus fort. Bon, Gojeda, les strats, c'est de le taper avec l'attaque dans les airs. Mais oui, mais même en le tapant dans les airs, c'est ce que j'ai essayé, moi. À chaque fois, j'essaie de ratterrir sur lui, de taper dans les airs, et ça marche pas. Le dernier boss, c'est même pas le plus compliqué dans l'histoire. Ah oui, si c'est lui... ça fait un peu chier. Faut le coller, ouais. Quoi, mais... Non, mais attends. Je l'avais vu, celui-là. Ouais, je sais. Qu'une attaque n'est pas esquivable en sautant, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui est esquivable en sautant. J'ai des esquives, mais des fois, j'ai l'impression que c'est juste de la chance. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde.
J'ai l'impression de faire exactement ce qu'il faut et ça marche pas. C'est vraiment de la merde. Là, je suis désolé, mais là... Enfin, c'est pas de la merde, c'est juste c'est trop dur, quoi. Ben non, c'est pas que ça me dégoûte, c'est... Le jeu va pas me dégoûter pour ça, hein. ça je vous rassure. Hein. Mais c'est juste le boss, en fait, qui est dégoûtant, là, pour le coup. Parce que là, sérieux... C'est quand même... Il y a des limites, quoi, des fois, quoi. Hein. Pas lui faire tomber des trucs sur la gueule. Quoi ça là? Non mais vous avez vu ça? Oh! TDS! Qui revient du futur! Je pense que vous entendez pas le son. Mais ça fait plaisir. Il revient à chaque fois, une fois par mois, là, TDS. Mon Darkseid. Hello there! Il revient du futur à chaque fois. Ah, il fait plaisir. Ça fait plaisir, Darkseid. Merci. Tu rajoutes un peu de gaieté et de joie, là, dans ce... J'ai hâte le gameplay Demon Soul. Ça va, Darkseid? Cette attaque que tu peux pas sauter, les autres... Il veut juste... Ah, vous entendez? Ah, bien. Il faut juste choper le timing. Comment ça va? De rien. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, ça allait, mais là, depuis que je suis contre ce boss-là, ça ne va plus. Rien ne va plus, là. Non. Mais non, mais tu peux pas me toucher quand je suis en l'air, putain! Non, mais c'est... Vous voyez ça? Mais c'est abusé! T'es en l'air! Comment tu me touches? Comment? Il y aurait une logique dans le combat, mais il n'y a pas de logique! C'est pas logique! Putain! Ça me troue le cul, ça! Vraiment, c'est... Est-ce que j'aurais pas plus de chance? Il me touche au pied. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il me touche au pied? Ça m'enlève trois quarts de ma vie. Je sais pas, c'est pas mon talon d'Achille, putain. Justement, c'est ma petite semaine spéciale visionnage Star Wars. Mes derniers visionnages de l'année. Ah, bah ça c'est bien, bah profite alors. Oui, sacré crapaud, oui. Tu l'as dit, Mando. Bon, Jedha, vous en dites quoi? Bah, scan, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi qui m'as dit de venir là, maintenant t'assumes. Nouvelle résolution de 2024, ça va plus être finir Survivor, mais battre le crapaud.
Mais non, mais je... là, clairement, j'essaye, mais je vais arrêter au bout d'un moment. Là, je me dis peut-être que je vais trouver une faille, un truc, un moyen de le battre, mais... Et au bout d'un moment, je vais devenir réaliste et puis je vais arrêter. Hein. Mais bon, j'ai pas envie de vous emmerder, là, à rester devant ce boss qui est tout simplement impossible. Voilà. Bon, je vais vous dire, si j'y arrive, ce sera juste pour flatter mon ego, quoi. Et si jamais j'y arrive pas, écoute, c'est con. J'aurais préféré ne pas le rencontrer du tout, ça m'aurait évité un peu de perdre du temps, mais bon. C'est pas grave. Ouais, la hitbox d'attaque du boss, Willou, elle est... Voilà, c'est n'importe quoi, là. Trilla, c'est réincarné. Oh putain, et encore Trilla, je préférais me battre contre Trilla, tu sais quoi. Oui, bon, j'ai un peu galéré contre Trilla. Hein. Mais en fait, je m'étais rendu compte que à la fin du combat que j'utilisais pas la bonne manière d'esquiver Trilla. Et c'est que quand j'ai compris ça que je me suis dit, mais putain, mais oui. Parce qu'en fait, moi, j'esquivais toujours avec des esquives en l'air. Alors qu'en fait, fallait juste faire des roulades. Eh oui, bien joué. Mais je me suis protégé. Tu t'en fous? Le pire, c'est que quand tu retombes... D'ailleurs, le crapaud ou le Kishin le crapaud, ouais, c'est ça. Ouais. Dire que c'est pas le seul crapaud du jeu. Oh non, mais là, tu me dégoûtes encore plus, là, Scan. Bon, de toute façon, moi, au moins, je sais un truc, c'est que. Bah. Si je vois un crapaud, je le bats pas, quoi. Et au moins, c'est clair et net. Quoi. Ça, c'est sûr. J'avais essayé un truc là. Ce qu'il y a, c'est que je vais essayer tellement de trucs contre le crapaud, mais il te donne même pas le temps d'essayer. C'est ça qui est le pire. Essayer, mais c'est même pas possible. Ok, on s'en va sur Jeddah, c'est décidé. Allez, j'ai pas que ça à foutre, moi j'ai pas à perdre mon temps là. Allez, apparaît là, avant que je change d'avis. Donc, ok, on y va, on fonce, on regarde plus derrière nous, on regarde que devant, on y va. Salut, t'es beau. Ah oui, c'est vrai que j'ai un... Let's go, Jeddah, le sable. Au moins, tu sais qu'il existe. Ouais, j'aime bien cette phrase, Willou. Au moins, je sais qu'il existe. Oula, pourquoi ça parle de Mérine? Ah oui, parce qu'il va y avoir, effectivement, bah oui. Waifu. Bah, perso, je préfère la... Je préfère celle qui ressemble à Kid Fisto, là. Non, je plaisante. Donc...
deux ensemble, deux crapauds à un moment. Deux crapauds ensemble, arrête. Non, ça je peux pas le croire ça. Meryn, c'est la best, ok Kishni. Eh oui. Et j'ai pas dit du mal. Hein. On t'attaque ou je t'attaque quoi, au bout d'un moment. Mais raconte chez ta mère. Mais putain, mais... Il y a quelque chose là, je peux ouvrir ça? Non. Un groupe de prospecteurs tente d'accéder à l'installation scellée au centre de la vallée du Vagabond. Cependant, ils sont frustrés et humiliés par l'échec. C'est pas de quoi tu parles. Ok, alors on y va. Je les ai battus en stream en 50 minutes. Non mais toi, je t'ai dit que t'étais un génie. Oh. Alors. Bon bah c'est là-bas en face. De toute façon c'est le vaisseau. Y a pas un truc de sauvegarde avant là? J'espère que je récupère mes... Attends bah je peux le voir comme ça. Ils sont loin. Bon tant pis. On y va comme ça. Billy, help please. Newcomer. J'ai rien compris. Go retourner sur la meilleure planète du jeu. Bah oui. J'espère que tu vas aller jusqu'à The Moment. Et pas là, il reste 30 minutes de live. Hein. Ah, des conseils pour trouver des primes actuelles. Ramenez à cache les palais de track issus de vos chasses réussies pour obtenir. On ira plus tard. On lui ramènera plus tard. Au moins, ça fera une surprise pour la prochaine fois, alors si c'est impossible pour ça, pour maintenant. C'est pas grave. On va au moins retourner sur le Jeddah, on n'aura pas perdu tout notre temps sur le... Au moins, comme dit Willou, on sait qu'il existe. Donc. Et tu tentes de me le vendre, ouais, je sais bien, t'as raison. Après, ouais. J'allais dire, est-ce que je fais un stream ou pas de Genshin? C'est soit je joue solo, soit je fais un stream ce soir. Je sais pas encore. Think Cordova can make some sense of that tech hell found? Are you kidding me? That guy is as sharp as they come. Fais un stream où je te zigouille. On va voir. She fronted me the credits for Pylons. What are you over, Grease? Mais ce sera pas un stream long, quoi. Maybe I'll make Granny Pylune's famous casserole and she'll forget all about it. Pour agrandir l'armée du serveur, ouais, mais... Si, remarque, ça pourra faire quand même un stream de peut-être... 2 heures. 2 heures, ouais. Je sais pas. Ce soir sur Genshin. Ouais. Surtout que je vais peut-être faire... Ou alors je joue à Honkai. Je sais pas quoi faire ce soir là. Il y a Honkai. Ouais mais Honkai. En fait j'aimerais bien avancer sur mon compte européen Genshin. Parce que là clairement dans mon compte normal j'ai rien à faire. Donc là ce serait mon compte européen. Fait 8 heures de Survivor. Un jour peut-être. Ça va en faire des live Star Wars pour l'année avec la fin du jeu et les parlons Star Wars. Ouais. Alors les parlons Star Wars, je vais peut-être pas en refaire autant qu'avant. Peut-être j'en ferai genre une fois par mois par exemple. Mais oui, il va y avoir ça. Et tout à l'heure, j'ai même dit que peut-être que je proposerais à me donner des théories pour le prochain film par exemple de Rey sur... pour le prochain film, et puis que s'il y a des théories assez intéressantes, peut-être que je referai une vidéo vos théories comme il y a des années maintenant. Mais oui, je pense que ça va être bon niveau Star Wars, ouais. Sinon, ce que tu peux faire ce soir, c'est essayer de battre le crapaud. Non,
Le parlons Star Wars The Acolyte, je veux voir Anthony dedans. Ah ouais, mais ça sera quand il sera sorti, non? On en fera un quand il sera sorti. Poster ma statuette Ahsoka sur ton Discord. Ok, bah j'irai voir. Not coming in, Grease? I'll catch up. I'm gonna stay on the Manus, check diagnostics. If you need repairs, I'm sure the Anchorites would be happy to help. Ooh, no thanks. I don't want those weirdos rooting through my ship. Ok, tu peux me laisser sortir maintenant. Voilà, c'est là. Scan, enfin. Bon, je dois aller où? Là-bas, en face. Ah, une vidéo sur vos théories. Star Wars 8? Pourquoi Star Wars 8? Des vidéos vos théories, il y en a eu sur le... Ouais, c'était la première fois, c'était le 8, ouais. Et après, il y en a eu pour le 9. Mais c'est vrai que la plupart, c'était sur Star Wars 8, ouais, t'as raison. C'était les plus... Va biper ta haine ailleurs. GG. Mais... Non, mais c'est bien là que je dois aller. Oui, c'est ça. Mérine. How can we be sure it's safe? We cannot. The network's resources are stretched thin. Some local leaders are unwilling to accept the risks. How can we convince them? Many fear that accepting refugees will put a target on their back. Cal, you're back. Oui, ça fait un moment que je suis là déjà. Good. Cordova will be glad to hear it. Parler à Bod. Non, on va parler à Mérine. I can't believe Master Cordova is really here. All that time following in his footsteps. I have enjoyed getting to know him. Il va perdre de rêve, spoiler, non. C'était pour la rêve de ta chaîne. Oui, oui, mais t'as bien fait. Darkseid. C'est une noobie, Ahsoka. Non. Bod. Bod est dans le champ, malheureusement. Eh oui. Tiens, attends, je voulais faire ça, là. T'as vu qui chenille de quoi? De quoi on m'a vu? Pourquoi tu orientes la caméra au niveau du derrière de Mérine? C'est la caméra qui s'est orientée tout seul pour le coup. Quand je lui ai parlé, ça a fait ça. Regardez. Safe travels, Cal. Bon, là, ça le fait plus. Vous avez de la chance. C'est où que je dois aller? Bah, c'est là. Ah, je dois parler à Colessere? Non, attends, on va cacher le derrière de Mérine parce qu'après, on va encore m'accuser. Regardez, là, ça le fait tout seul. Pour qu'on voit de profil, quoi. Pas de ma faute, là. Bon, je peux changer, voilà. Vous êtes content? On a le boule de Cal. Bon, on va essayer d'avoir deux boules en même temps. Voilà. Ça, tout le monde est content. I can't believe he did all this in only a couple of years. Well, it's been hard work. Once I understood my calling, I had to answer it. That you did. It hurt when he left. Felt like you quit on us in the middle of a fight. I know. But you were trying to restore the order. Rebuild what was lost. The fight was never your goal. Are you so sure it's yours? Oui. Ouais, ouais. Cordova. Il y a un mème très populaire sur cette pose, c'est vrai? Bah j'imagine bien, hein, parce que vu comme ça, je pense que si tu mets Cal, on va pas le faire. Hein. Mais bon, si tu cales d'une certaine manière, j'imagine que oui. Ok. Ah oui, c'est vrai, il faut que je lui partage mes trouvailles à lui. Alors c'est pas vraiment ça. Ah ouais? J'espère que c'est pas avec Billy, hein. A strange device. This one seems to be a duplicate. Both have been damaged by lightsabers. Wasn't me. This time. Perish the thought, hmm? You think you can fix it? I don't know. But I will certainly try. Bod toujours derrière. Je suis là, vous me voyez dans le champ. C'est comme, maman, je passe à la télé. Vous allez voir, il va venir dans le champ, Bod. Vous allez voir, il va venir.
Have we begun evacuations? They're already underway, but Brother Armaius isn't responding. M'entendez pas? Ah non, c'est pas lui. Il est tout seul, le pauvre. Là, il me fait de la peine. Je sais pas quoi faire, je me sens pas utile. Du coup, avec toutes ces conneries, j'ai rien écouté de ce qu'ils se sont dit. Ils ont dit qu'ils vont faire quoi, là? Attends, ça va peut-être le marquer. Arrête d'essayer d'être drôle, tu ne l'es pas. Tu veux serrer, Mérine? Oui, le coller serré, ça, on l'a fait la dernière fois. Tu as raison, c'est pas très fine. C'est pas très fin. Bien joué. Bubou Mérine. Alors, comme de nombreuses organisations clandestines, le passage utilise des codes de contact pour limiter l'exposition du réseau, au cas où l'un des refuges serait compromis. L'accès au code est limité par certains membres afin de se prémunir contre l'espionnage impérial. D'accord, et donc, est-ce que dans le sabre, ils ont trouvé un code pour de passage? Bon, je vais y aller, bonne soirée à tous. Demain, je me prépare à travailler 9 heures d'affilée. Ouh, putain, demain en plus, le 30. Putain, mais courage. Un samedi, pouah. Courage, Darkseid. Bonne soirée, bon live, merci. Toi aussi, salut. En gros, l'Empire a trouvé une cache du Hidden Path. Et Serré envoie Cal et Mérine les aider. D'accord. L'Empire a trouvé? Pourquoi l'Empire? C'est eux qui ont trouvé une cache de l'Empire, non? D'accord. Bon. Je comprends pas trop, mais... Ok, je te follow. Mais je ne te regarde pas, hein. Parce que... Oh. Impressive, isn't it? Un ancien monastère. Yeah. Tiens, une boutique. I hold many curios for you, Outlander. Ouais, non. Ok, ok, on traîne pas, oui. En apesanteur. Ouh, avec Mérine. We knew one day the Empire would come. Une cache, une just planque. So ah. Et Cal et Mérine vont aller leur botter le huc. D'accord. Je comprends. Et bon, là, ils sont quand même... je veux dire, l'Empire... Comment ça se fait qu'ils vont botter le cul de l'Empire alors qu'ils sont pas du tout à une époque où faut aller leur botter le cul, quoi. It is an honor to meet one she holds in such high regard. May I escort you? I have never met a witch before, and I have so many questions. Top 3 de tes préférés du jeu, la mission? Cette planète, c'est un chef-d'œuvre. Nous allons voir. Alors, prochain point de sauvegarde, j'arrête. Et il est là-bas. Pilgrim's Crossing is on the other side of the desert. Donc on aura la bonne partie la prochaine fois. On aura tout le temps pour la faire. Elle est assez longue. Bah parfait, comme ça on fera tout la prochaine fois. 2024 commencera sur des bonnes bases. Et bah nickel! J'aime bien votre optimisme. Je peux lui demander de faire carré. Je peux lui demander de faire rond aussi. Ah non. Serré et les Anachorètes découvrent ce qui deviendra leur base dans les archives. Les Anachorètes expriment leur volonté d'aider Serré dans le cadre de leurs croyances. Ah oui, dis donc. Ah, mais c'est là. Pff, j'allais partir. Hein. Eh ben c'est parfait ça. How is the desert treating you, BD? He likes it out here. Ouais. Mais écoutez, oui, comme ça on commencera sur une bonne chose, ça va être bien. Ça va être très bien même. Bah en tout cas, ça aurait été bien Jedi Survivor en votre compagnie en cette fin 2023, et on commencera l'année 2024 sur les chapeaux de roue
avec et puis bon, on terminera avant la moitié de l'année 2024, ça c'est sûr. Et après, comme on se sera bien entraîné sur Jedi Survivor, on va enchaîner sur Demon's Souls PS5. Et là, comme ça, vous allez bien pouvoir vous foutre de ma gueule. Mon cousin aussi, parce que c'est lui qui m'a posé le défi. Donc voilà, ça c'est ce qui nous attend en 2024, au moins. Peut-être après, on fera des streams Spider-Man 2, par exemple. Ou des streams Outlaws aussi, quand il va sortir. Voilà. Et puis sinon, là, pour ce soir, bah, moi je vais manger, et puis après, je vais me décider. Je pense quand même que je vais lancer un live, mais il durera pas 8 heures, hein, parce que il durera quoi, peut-être 2 heures et demie, un truc comme ça, quoi. Ce qui sera déjà pas mal. Bonne nuit les Padawan, Demon's Souls, le vrai let's play qui va durer jusqu'à 2049. C'est possible. Fais un live où je te zigouille. Bah, je vais être obligé du coup, sinon je me fais zigouiller. Mais si tu me zigouilles, on finira jamais Jedi Survivor. Au moins que je passe l'année 2023. Oh. Bon allez, ciao tout le monde. Bonne nuit, bonne soirée. Et puis bah, j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine sur Jedi Survivor. Passez une bonne soirée. Et puis si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse année. Début d'année, je vous souhaite tout ce que vous voulez, meilleurs vœux, réussite, santé, comme d'habitude, mais c'est important. Et si vous êtes avec vos proches, profitez-en bien. À tout à l'heure, alors peut-être. Ouais, bah à tout à l'heure, Parisien, si tu tiens le coup encore. Ouais. Bah je pense que je vais lancer un live de toute façon, même s'il sera court, je vais en lancer un quand même. C'était cool, merci Scan, plus Willou. Et puis bah s'il y a d'autres personnes qui sont encore là, je sais qu'il y avait peut-être Bucky qui était là, Ced qui est peut-être revenu de son quick. Qui c'est que je pourrais oublier? Ben Darkseid, toi t'es parti déjà. Je pense qu'on a tout le monde là, non? J'oublie personne? J'ai pas de proche qui m'aime moi. Mais si... nous on t'aime. Pourquoi j'ai pas... Ah, Ced il est là. J'espère qu'il était bon ton quick. Allez! Sauf Kishni. Je compte pour du beurre, c'est vrai. Allez, bon bah à tout à l'heure pour ceux qui seront là, et puis bah à la prochaine. Ciao, ciao.